C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Hot Tech numéro 13. Enregistrement de ce stream qui vient tout juste de commencer, c'est promis. Non. On a découpé un peu pour la VOD YouTube, pour que ce soit bien propre. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Comment ça va? Wow, moustache incroyable! Alors, comment ça va la pêche? Comment ça va la patate? Ah, Lucky Star! C'est intéressant parce que j'ai pas fait de follow-up de mon côté là-dessus, j'ai rien vu de bien nouveau à ce niveau-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis. T'as contacté EVGA pour l'histoire des garanties sur les cartes graphiques. Ils t'ont répondu que le fait d'arrêter les cartes graphiques n'impactait pas la garantie de 10 ans. Oui, mais attends, ils vont pas pouvoir l'honorer dans 10 ans, la garantie. C'est bizarre cette réponse-là. Du coup, pas de remboursement ou autre, juste la garantie qui continue. Lucky Star, je suis très curieux de ce que ça implique. Si ta carte graphique, elle claque dans 5 ans... Mais c'est ça, si ta carte graphique, elle claque dans 5 ans, VGA, ils auront plus ni pièces, ni échanges à te proposer. C'est bizarre, cette histoire. Comment ils espèrent honorer une garantie de 10 ans? Ils te donnent une alim en échange. C'est bizarre. Ou alors, ils sous-traitent. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais... C'est marrant. Dans 10 ans, ils n'existeront plus. Bah, c'est pas ce qu'on leur souhaite, mais malheureusement... Si dans 10 ans, ils n'existent plus, pourquoi pas, mais... IMO sous-traitance via délégation et réassurance. Peut-être. Le VGA remplace la carte directe. Salut, Elfabulite. Ben... Normalement, enfin, ils sont connus pour ça, justement. Ils sont connus pour ça. Leur garantie 10 ans, là, chez EVGA, normalement, si ta carte claque et que c'est pas de ta faute, ils te la remplacent par la même. Et s'ils ont pas la même parce que la génération a changé, etc., ils te la remplacent par une carte équivalente. C'est justement ce que les gens appréciaient chez EVGA. Maintenant, étant donné qu'ils ont annoncé et que ça a l'air garanti qu'ils arrêtent les cartes graphiques, si t'achètes une EVGA maintenant ou tu l'as acheté au début de l'année avec 10 ans de garantie et qu'elle claque dans 4 ans par exemple, je suis très très curieux. Justement, Custro Roi, non, ils n'ont pas un très très gros stock. Ils ont expliqué que là, la marche à suivre, c'est qu'ils allaient terminer de vendre les cartes qu'ils avaient déjà produites jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ils avaient estimé que les stocks de cartes qu'ils avaient actuellement, en tout cas en RTX 3000, puisqu'ils n'allaient jamais sortir de RTX 4000, le stock de cartes RTX 3000 qu'ils avaient allait être épuisé d'ici la fin de l'année. Donc fin 2022, début 2023, il n'y aura plus de cartes VGA neuves sur le marché. Alors attends, le T-Star répond, ils m'ont juste répondu ça. En plus ils ont répondu en anglais. Thank you for your inquiry. Donc merci pour votre question. VGA va continuer à exister en tant qu'entreprise et bien sûr la garantie sera toujours valable. Seule la coopération avec Nvidia a été arrêtée et il n'y aura pas de VGA 4000 series, de carte graphique VGA 4000 series, ok. Tout le reste va continuer de la même manière avec EVGA. Vous devriez, si vous aviez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord, gentil regard. D'accord. C'est intéressant ce qu'ils disent. Je ne sais pas quelle est la communication en interne, je suis curieux de le savoir. Mais c'est intéressant ce qu'ils disent, que seule la coopération avec Nvidia a été arrêtée. Ce qu'on disait, gentil regard évidemment. Ce qu'on disait. Ah non, le British accent, non, ne m'obligez pas. Vous m'avez déjà obligé à porter une moustache, ne m'obligez pas à faire ça en plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on savait jusqu'à maintenant, et ce qu'on avait entendu dire, notamment de la part du CEO, c'est qu'ils n'arrêtaient pas juste la collaboration avec Nvidia. Ils arrêtaient les cartes graphiques. Et ils n'avaient pas prévu de faire des cartes graphiques pour Intel et pour AMD.
Donc ce genre de phrase, elle aurait du sens s'ils continuaient les cartes graphiques, juste ils arrêtaient de collaborer avec Nvidia. Mais là, ce qu'ils ont annoncé jusqu'à maintenant, c'est qu'ils arrêtaient les GPU complètement. Donc je suis très curieux de savoir comment ils vont honorer ces garanties de 10 ans. D'autant que la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est qu'ils envisageaient de rembourser les gens qui en avaient acheté une. Alors évidemment, si trop de gens demandent le remboursement de leur extension de garantie, ça risque de leur coûter vachement cher. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils essaient de dire aux gens « Non, non, vous inquiétez pas, on va les honorer. » Je ne sais pas si c'est le meilleur business plan. On verra. On verra. Peut-être qu'ils espèrent qu'aucune claque ne qu'aucune carte ne claque dans les 10 ans à venir, mais c'est un pari risqué, quoi. Les modèles de cartes défectueuses ont même été remplacés par des cartes d'autres marques, voire des modèles supérieurs selon certains cas. On verra. On verra. Peut-être qu'ils ont un plan. Peut-être qu'ils ont un plan, mais... on verra. Dans tous les cas, Lutistar, je te souhaite que ta carte ne claque pas dans les 10 ans à venir et que si ça devait être le cas, qu'ils honorent la garantie comme c'était prévu. Ça t'amène à 2031. Ah, tu l'as acheté l'année dernière, ça t'amène à 2031 quand même, ouais. Voilà, ça risque d'être difficile d'honorer ça, ouais, effectivement. Non, non, mais c'est ça, ils ont quand même cette réputation-là, EVGA. Ils déconnent pas avec leur SAV, normalement. Ouais, ils déconnent pas avec leur SAV. Maintenant, je suis quand même de l'avis de 12. C'est bizarre comme réponse. Quand tu sais que tu feras plus de GPU, c'est bizarre de garantir aux gens que tu leur honoreras leur garantie sur leur GPU dans 10 ans. Maintenant, ils ont peut-être un plan. On sait pas, hein, ils ont peut-être un plan. Je veux pas présumer de choses dont on n'a pas les infos ou quoi que ce soit. Voilà, c'est... Mais bon... C'est vrai que oui, voilà, le SAV, il a une réputation, elle a la réputation d'être solide. Maintenant, c'est vrai que moi, je trouve également l'annonce étrange. Mais on verra bien, comment ça se passe. On va se mettre ici. Commençons, si vous le voulez bien, cette revue de presse qui sera pas très longue, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas eu énormément d'annonces cette semaine. Mais on va quand même faire un tour de ce qui se passe d'intéressant au niveau de la tech. C'est depuis ces derniers jours, il faut que je capture le navigateur correctement. Je crois que c'est ça. Oui, c'est bien ça. Tac. Hop. Voilà. Nous voilà ici avec Vous avez le navigateur qui est là. On va pouvoir commencer par parler d'AMD. Alors, j'aurais bien voulu commencer cette revue de presse en vous parlant des cartes mères B650. Malheureusement, elles n'ont toujours pas été officiellement annoncées. Elles ne devraient être annoncées par AMD et par les partenaires sélectionnés par AMD que demain. Non, je ne pense pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on refera un stream exceptionnel demain pour parler des cartes mères, sauf si il y a quelque chose de vraiment incroyable qui a été annoncé, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Là, on a des leaks de ce qui devrait être annoncé demain. On va pas s'attarder trop dessus parce que c'est pas nécessairement le plus intéressant. Mais ça peut être intéressant de parler des cartes mères B650 elles-mêmes. On avait déjà parlé des X670 qui ont accompagné la sortie des Ryzen 7000 il n'y a pas très longtemps. On en a parlé surtout pour dire qu'elles étaient putain de trop chères et que c'était pas normal de demander un prix pareil aux gens pour une carte mère. Même si elle a toutes les dernières nouveautés du genre PCI Express 5, du genre DDR5, du genre tout ce genre de choses, ça reste extrêmement cher. Quand tu penses qu'à une époque, et quand je dis à une époque, c'était même l'année dernière, on pouvait assez facilement trouver des cartes mères de dernière génération à moins de 200 balles, voire les X600 et quelques se vendent parfois autour de 1000 balles, c'était vraiment complètement délirant. L'espoir, c'était d'avoir des B650 qui coûte un prix un peu plus humain. Pendant la présentation des Ryzen 7000, AMD avait annoncé que les B650 allaient sortir à un prix plancher de 200 euros.
ce qui est très cher. Soyons clairs, 200 € en prix minimum, 200 $, pardon, on est en dollars. L'euro, c'est encore une autre paire de manches. 200 $ en prix minimum pour une carte mère, c'est super, super cher. Et donc, c'est vraiment pas une très bonne nouvelle, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne, surprise. Il faudra attendre l'annonce demain des B650 et des B650E. On va revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Pour savoir à quelle sauce on va être mangé en Europe. Ce qu'il faut noter, là, bon, si jamais ça vous intéresse, vous avez les références de cartes mères qui devraient éventuellement être présentées demain aux côtés d'AMD pendant une conférence, un stream spécial là-dessus. Mais oui, monsieur JS, B650, c'est le futur chipset des CPU AMD pour les Ryzen 7000 en tout cas. C'est censé être le milieu de gamme, mais on va le voir, c'est un milieu de gamme qui va démarrer à 200 balles. Et c'est extrêmement cher. Mais bref, on va passer un peu en détail tout ça. Les B650 donc doivent être annoncés demain et doivent sortir normalement à la fin du mois, je crois. Ou dans le courant du mois. En tout cas, AMD n'a toujours pas donné de date exacte. Ce sera peut-être le cas demain. Il faudra attendre de voir ce que ça sera, ce qu'il en sera exactement. Concernant le prix, il y a eu déjà quelques leaks, ça reste des leaks, attention, de prix américains concernant les premiers modèles en vente de cartes mères B650. Apparemment, le prix effectif des premiers prix de cartes mères serait bien de 200 $. Par contre, si on a appris quelque chose ces dernières semaines avec le prix du dollar, c'est que il correspond absolument pas au prix de l'euro. Ça correspond absolument pas au prix de l'euro. Et donc, en gros, quand on vous dit 200 $ aux États-Unis, déjà, il faut partir du principe que c'est un prix hors taxe, puisque les taxes ne sont pas toutes les mêmes dans tous les États américains. Donc, par simplicité, ils donnent le prix hors taxe systématiquement. Qu'en France, on a 20% de TVA. On paye, d'une manière ou d'une autre, l'import des composants jusque chez nous. On paye pas mal de choses, de la douane, des trucs comme ça. Et donc, voilà, au Liechtenstein, c'est mieux. On l'a vu la semaine dernière, parce que là-bas, ils n'ont pas de TVA. Voilà, hein, ils se débrouillent comme ils veulent. Dans tous les cas, en France, on a 20% de TVA. Et donc, quand on vous dit 200 $, et surtout, donc, le taux de change du dollar vers l'euro est extrêmement désavantageux quand on paye en euros, puisque actuellement, 1 dollar vaut quasiment 1 euro, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que le dollar coûte extrêmement cher par rapport à l'euro. Et donc, quand on vous dit 200 $ pour une carte mère aux États-Unis, ça veut très probablement dire que vous ne la trouverez pas à moins de 250 € en France et potentiellement encore plus proche des 300. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour ce qui était censé être du milieu de gamme. Parlons également du B650 et des versions E. Sachez que on en avait déjà parlé à l'époque des X670. Vous avez la carte, le chipset sera décliné en version normale et en version extrême, avec donc le petit E à la fin. Sachez simplement, si vous comptez en acheter une, que la version extrême ne vous servira pour l'instant à peu près à rien. En gros, tout ce que ce extrême signifie, c'est que AMD vous garantit une certaine répartition des lignes PCI Express 5 sur votre carte mère. C'est-à-dire qu'avec la version extrême, vous avez la garantie d'avoir 16 lignes PCI Express 5 vers un port GPU. En général, le premier, le plus haut sur la carte. Et 4 lignes PCI Express garanties vers un port M2 pour les SSD notamment. Les SSD rapides, on a vu qu'il y a des SSD qui ont déjà été annoncés avec des vitesses en lecture et en écriture jusqu'à 10 voire 12 gigaoctets par seconde. Voilà, vous aurez ça. Mais ça ne veut pas dire, premièrement, que ça n'existera pas sur les cartes mères en B650. Ça veut simplement dire que AMD n'a pas fourni aux constructeurs d'obligation de respecter ce genre de spécifications pour les cartes mères non extrêmes, entre guillemets. Vous aurez quand même, on l'a vu avec les X670, vous aurez quand même des cartes mères
pas en version non extrême, qui auront des lignes PCI Express 5 qui seront réparties selon ce que le constructeur a décidé. Simplement, voilà, faudra regarder la fiche technique précisément en détail pour savoir ce que vous achetez dans ces versions-là, parce que c'est le constructeur qui décide de ce qu'il fait. Il n'y aura pas forcément que des lignes PCI Express 5 partout. Vous aurez potentiellement du 4 ou ce genre de choses. Mais voilà. Ils ont fait du Macron, en fait, pas d'obligation des consignes. Ben, c'est ça. Le problème, c'est que ça resegmente une gamme qui était a priori déjà suffisamment comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu te retrouves à vendre des cartes mères 400 balles alors que c'est censé être du milieu de gamme, ben, t'es un peu obligé de resegmenter derrière pour que ça... pour avoir une version qui soit un peu accessible, quoi. C'est tout le problème. Voilà. Donc, vous aurez des cartes mères. Donc, il faudra surveiller demain. Je pense pas, comme je disais, qu'on fera un stream pour débriefer ça, parce que ça me semblera pas forcément indispensable. Sauf si, bien sûr, les annonces qui sont faites demain sont fracassantes et qu'il y a un truc absolument important qu'il faut vraiment qu'on couvre tout de suite. Mais je pense pas que ce soit le cas. Dans tous les cas, on en reparlera la semaine prochaine de ces cartes mères et des CPU qui vont avec. Parce que voilà, on sait qu'on n'aura pas de carte mère B650 à moins de, a priori, 250€, peut-être même 300 en France. Et ça va porter un coup à l'intérêt des Ryzen 7000 en France, mine de rien. Un PC milieu de gamme, Fredegonde, aujourd'hui, ça vaut combien? On peut faire un test rapide, mais je pense que, ouais, sans accessoires et sans écran, 1500€, tu dois être pas mal, ouais. Ouais. Tu dois être pas mal. C'est... On va en parler, en fait, on verra pas forcément le prix des GPU, mais ce sera l'autre truc. Mais oui, je pense qu'à 1500€, tu peux te faire un bon truc milieu, voire haut de gamme, quand même, hein. Ouais, ouais. Bref, il y a une question, je voulais relier cette actu avec une question qu'on m'a posée la semaine dernière et à laquelle je voulais répondre. C'était, c'est quoi actuellement, avec tout ce qui a été annoncé, c'est quoi actuellement le meilleur rapport performance-prix, on va dire, en termes de CPU? Et la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Donc je voulais qu'on regarde. Alors, on ne va pas forcément regarder les 12 000. On va simplement noter que les 12 000 d'Intel, ils sont effectivement moins chers que ce qu'on va regarder là. Mais voilà, un truc intéressant à regarder, en fait, c'est que si on regarde les prix des... En fait, regardez les prix des Ryzen 7000 et des Core 13000, ça suffit pas pour avoir une idée du ratio performance-prix. Pour une raison simple, c'est les cartes mères. Les cartes mères sont devenues tellement chères que même si tu trouves un CPU pas cher aujourd'hui sur le marché, tu risques de perdre tout l'argent que tu as économisé sur le CPU dans la carte mère. Et donc du coup, aujourd'hui, acheter un CPU, essayer de gagner de l'argent sur l'achat d'un CPU, ça veut aussi dire trouver une carte mère qui coûte pas la peau du cul. Et c'est tout le problème, parce que vous regardez, si on regarde, alors... J'ai fait quelques recherches, j'ai cherché vite fait, hein, en début d'après-midi, le 7600X le moins cher que j'ai trouvé en France, hein, en tout cas, et le 7700X le moins cher que j'ai trouvé en France, et le résultat, bah, c'était sur Amazon les deux. J'ai pas trouvé moins cher que sur Amazon dans les deux cas, ou quasiment pas. Vous avez un 7600X ici à 370€ sur Amazon. Ce qui est voilà, le moins cher que j'ai trouvé. Ce qui est pas si mal, considérant que c'est un 6 coeurs 12 threads qui a l'air assez performant. Ça reste cher, hein, évidemment. Ça reste cher, mais malheureusement, on trouve actuellement pas moins cher ailleurs. On trouve pas moins cher ailleurs. Et vous avez le 8 coeurs. Alors lui, voilà, je suis pas allé voir les gammes au-dessus. Parce que justement, les gammes au-dessus, c'est pas des CPU vraiment faits pour le jeu. C'est pas des CPU que je vous recommanderais d'acheter, quelles que soient les circonstances. Donc vous verrez pas de Core i9 là-dedans. Vous verrez pas de Ryzen 9 ou ce genre de choses. Déjà, le Ryzen 7, j'ai hésité à pas le mettre parce qu'il est à 500 balles et vous le trouvez pas en dessous. Et là, la petite technique d'aller voir en Allemagne, si on trouvait pas moins cher, elle marche pas. Elle marche pas pour les Ryzen. Vous les avez au même prix partout.
Voilà, il y a un lien que j'ai pas mis et que je voulais mettre. Enfin, se mettre ici, qu'on verra après. Et du coup, voilà, là, le Core, le Ryzen 5 7600X, qui est globalement le CPU que je vous recommanderais si vous deviez acheter un Ryzen en génération 7000. Il est à 370, ce qui est pas donné. Si on compare, il faudrait que j'ouvre une autre page Amazon. Amazon.freux, que voici. Si on compare à un Ryzen 5 5000, on va essayer de trouver un 5600X. Attends, toi. On va essayer de trouver un 5600X. Le 5600X, il est à 200. Il est à 240 balles. Donc la différence, elle est quand même gigantore. Vous avez plus de 100 euros de différence entre un Ryzen 5 5600X et le même en 7600X. C'est le même nombre de cœurs. La fréquence est forcément bien plus élevée sur le 7600X. Mais voilà, c'est pas forcément plus intéressant. 12 qui dit ne négligez pas l'occasion. C'est vrai. Ne négligez pas forcément l'occasion, parce que ça peut valoir le coup de trouver un CPU récent en occasion. Même comme ça, là voilà, si vous achetez un Ryzen 5 avec une carte mère qui en plus devrait vous coûter un peu moins cher, vous allez mieux vous en sortir. Le truc, voilà, le truc, c'est que si on regarde du côté d'Intel, alors toujours les dernières générations, si on regarde du côté d'Intel, ce qui est assez balèze, c'est que on a une, on a un CPU ici, le Core i5 13600KF. Je l'ai choisi lui parce que c'est marqué 14 cœurs, mais techniquement c'est l'équivalent d'un 6 cœurs comme on avait à l'époque. Avant, les Core i5 étaient à la base des 6 cœurs. Lui, c'est un 14 cœurs parce qu'il a, si on regarde le détail, il a il a 6 cœurs performance, et il a, comme quasiment tous ceux qui ont été annoncés, 8 cœurs qu'ils appellent efficients, donc les i-cores. C'est des cœurs qui vont tourner à basse fréquence, qui vont consommer moins, qui auront des perfs inférieures, mais qui vont quand même faire un peu de taf pour délester les cœurs performants, pour surtout consommer moins quand il y a moins besoin de puissance, etc. Et voilà, quand on dit 6 cœurs, effectivement, il y a généralement 6 cœurs physiques et 6 cœurs logiques qu'on appelle des threads, comme tu dis, Longhost. Et donc, du coup, vous avez voilà 14. Donc là, c'est un 14 cœurs parce qu'il a ses 6 cœurs physiques et 8 cœurs efficients. Mais voilà, les 8 cœurs, les 8 i-cores, eux, n'ont pas d'hyper-threading. Donc vous avez les 6 cœurs en hyper-threading qui vous donnent 12 threads. Et les 8 cœurs basse consommation qui, eux, n'ont qu'un seul thread par cœur. Donc, vous en avez au total 20. Vous avez en gros l'équivalent de 20 cœurs avec celui-là quand vous avez l'équivalent de 12 avec un 7600. Donc, voilà. On a vu que sur le banc de test, ça donne un léger avantage aux Intel Core en réalité. Mais c'est pas non plus délirant. Mais en vrai, sur les tests en multicore, ils s'en sortent quand même un petit peu mieux. Entre autres grâce à ça. 12 Fred, mais combien de Jamie? Vous allez faire cette blague toutes les semaines. Moi, ça me dérange pas, mais quand même. La chauffe et la conso des Intel en comparaison. On n'a pas encore trop de tests encore sur les corps. Il faut qu'ils soient testés pour qu'on sache exactement. On a eu des leaks qui semblent montrer que ça chauffe quand même pas mal. Mais pas nécessairement plus que les Ryzen qui, eux, ont complètement débridé le truc. Il faut qu'on ait des tests plus concrets sur les corps pour savoir si c'est plus intéressant au niveau chauffe et conso. Mais a priori, ça devrait être kiff-kiff par rapport au Ryzen. Est-ce que les cœurs efficients finiront pas un jour dans les cartes mères? Je pense pas, Longhost. Tout simplement parce que ça fait partie de l'architecture du CPU. Et surtout, mettre des cœurs qui font des calculs directement sur la carte mère, ça va faire des cartes mères qui coûtent super cher, et c'est pas non plus l'idée. Elles coûtent déjà vachement cher comme ça. Alors du coup, ouais, 12, tu dis qu'on trouve le 3600KF à 370€ en Autriche. Moi, en Allemagne, je l'ai trouvé à quasiment ce prix-là. Sachant que là, c'est le prix avec la TVA allemande, si je dis pas de conneries.
Mais si on regarde le prix avec la TVA française, on est quasiment au prix français. Parce que là, il est à 420 chez Top Achat, on voyait. Et il est quasiment au même prix, à peine moins cher. Faut que je regarde sur Case King. Il y a probablement moins cher que Case King, hein, mais c'est une bonne référence pour se faire une idée. Il est à 390. T'économises 30 balles si tu le prends en Allemagne. Sachant que t'as les frais de port en plus là. Parce que là, ça doit être le prix sans frais de port. Qu'il faut rajouter après. Mais bref, tout ça pour dire que vous pouvez le trouver un poil moins cher en Allemagne. Mais ce qui va vous permettre de faire des économies, c'est pas tellement le fait de l'acheter à l'étranger, c'est surtout la carte mère. Par rapport à un Ryzen 7000, on l'a vu, et il faudra attendre demain pour avoir les prix réels en Europe. 30€ ça peut sur 30 000. Non, j'ai fait exprès de chercher un KF pour le coup. Là c'est un KF, et là normalement c'est un KF aussi. J'ai bien regardé sur le KF pour avoir le même dans les deux cas. Parce que je considère que si vous achetez un CPU pour jouer, vous avez un GPU qui va avec, hein, bien sûr. Le K va coûter un poil plus cher, mais voilà. La différence, ça te paye le F. Ah, pardon, oui. Bah, la différence, ça te paye le F. Mais après, je présume qu'entre nous, on va parler de machines de jeu principalement. Donc le circuit graphique intégré au CPU. Je pars du principe que les gens vont pas le vouloir. Mais oui, la différence, elle est à peu près là, ouais. Mais là, on est vraiment sur un KF... Kilo franc, non. Non, non. Oui, ça dépanne. Ça dépanne le jour où tu crames ton GPU et qu'il faut quand même que tu utilises ton PC ou ce genre de choses. Oui, 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 ça dépanne. Mais c'est vraiment pour l'usage qu'on a généralement entre nous d'un PC, ça c'est tout, quoi. Mais ouais. Donc voilà, voilà. En fait, ce que je disais, c'est que la grosse différence que vous allez rencontrer pour l'achat d'un CPU de nouvelle génération, ça va être au niveau de la carte mère. Ce qu'on a vu, c'est que, étant donné que les cartes mères pour Ryzen 7000 passent en AM5 et qu'il n'existe pas de version AM4, vous allez devoir racheter les cartes mères qui, on l'a vu, risquent de vous coûter au minimum 300 balles. C'est extrêmement cher pour une carte mère. Alors que, comme le dit 12 dans le chat, si vous achetez un Core i5 ou un Core de 13e génération, vous pouvez, à condition de l'avoir flashé et d'avoir fait ce qu'il fallait, l'utiliser sur une carte mère de la génération d'avant chez Intel. Ce qui, carte mère qui se trouve pour pas extrêmement cher. Si vous cherchez, alors Z690, c'est pas forcément le meilleur exemple. Si je cherche Z690, à combien on en trouve ? Bon, LDLC, c'est LDLC. Là, c'est 309€. C'est pas forcément les moins chers que vous trouverez. La ROG Maximus, c'est une Maximus, donc elle est à 700 balles. Voilà. Et sur Amazon, on trouve des Z690 en rupture de stock. Merci Amazon. Et là, c'est une Maximus encore. Franchement. Mais si vous cherchez un chipset en dessous, je crois que c'est B650. Ou B660, pardon. Chez Intel. Si vous cherchez un B660 chez Intel, voilà, vous en trouvez sans problème à 150 balles. Et ces cartes mères-là, vérifiez bien que vous pouvez flasher le firmware sur le site du constructeur. Hein. Mais ces cartes mères-là, elles sont complètement compatibles à moins de 200 balles. Elles sont complètement compatibles. Bon, là, on est chez ASRock, hein, faut vouloir du ASRock. Mais chez Asus, on en a aussi. Chez MSI, je suis sûr qu'on en a aussi, etc. Vérifiez bien qu'elles soient compatibles avec les nouvelles générations de CPU. Mais si vous pouvez les flasher, vous pouvez sans problème les acheter pour les utiliser avec un Intel Core de 13e génération. Et l'économie, vous allez la faire là, surtout. C'est-à-dire que le CPU, vous n'allez pas forcément le payer beaucoup moins cher que chez AMD, mais vous allez faire une économie franchement substantielle sur la carte mère. Et c'est ça qu'il faut regarder si vous voulez vous monter une machine là pour la fin de l'année. C'est ça qu'il faut regarder au moment où vous choisissez vos pièces. Ça va franchement faire une différence. C'était kiff-kiff avant de choisir une carte mère. Pour moins de 200 balles, vous aviez de la qualité chez les deux constructeurs. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse différence en termes de prix des cartes mères, que vous soyez chez AMD ou chez Intel. Et la différence peut vous payer la DDR5, parce qu'en plus, un autre avantage peut économiser de l'argent, parce que si jamais vous voulez de la DDR5, c'est possible aussi avec ces cartes mères-là. Mais si vous vous dites moi j'ai déjà de la RAM DDR4, je veux la garder, ou je veux payer juste 100 balles mes 16 Go, parce que la DDR4 coûte pas cher, elle est toujours performante et ça m'intéresse, vous pouvez le faire avec Intel, vous pouvez pas le faire avec AMD.
Et mine de rien, bah, ça fait 100 balles d'économiser sur la facture totale au final. Et c'est vachement bien. C'est con, mais c'est vachement bien. Et en vrai, la DDR4, elle est sur le point d'arriver à obsolescence, mais ça fait toujours le taf. Ça, pour une machine que vous allez garder 2, 3, 4 ans, ça fait clairement le taf et vous serez pas à la bourre tant que ça sur les générations qui suivent. Est-ce que c'est pertinent de retarder la mise à jour de la carte mère? Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu changes de CPU, tu es quasiment obligé de changer de carte mère. Quasiment. À moins de passer sur une ancienne génération de Ryzen, parce que si tu prends un Ryzen 5000 et que tu upgrades depuis un ancien Ryzen, sous certaines conditions, tu peux garder la même carte mère. Mais là, désormais, c'est terminé. La AMD passe à la M5 pour le chipset et donc tu vas devoir changer la carte mère quoi qu'il arrive. C'est finito les upgrades. Bah, de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. C'est marrant parce que c'est justement le sujet du dossier principal de Canard PC Hardware là, que Dandu a fait ce mois-ci. Où justement, il se pose la question de savoir est-ce que ça vaut toujours le coup d'upgrade un vieux PC aujourd'hui ou est-ce qu'il vaut pas mieux tout racheter. Et il en arrive à la conclusion que dans certains cas, il vaut quand même mieux tout racheter. Hein, pour avoir une machine moderne, ouais. Donc voilà, pour répondre à cette question qu'on m'avait posée, je sais plus où d'ailleurs, dans le chat, je sais plus quand, la semaine dernière, pour moi, actuellement, le meilleur rapport qualité-prix, enfin en tout cas le meilleur rapport performance-prix, si tu veux acheter exclusivement des pièces de dernière génération, il est plutôt chez Intel. Il est plutôt chez Intel en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas, notamment ces dernières années, AMD était franchement pas cher à l'époque de la M4 et de toutes les générations de Ryzen qui sont sorties dessus. Aujourd'hui, on connaît pas les bench, t'as raison, 12, on connaît pas les... Moi, je parle vraiment en termes de... C'est vrai que je parle performance-prix alors que je devrais pas, parce que les performances des corps, pour l'instant, on les connaît pas vraiment. Les leaks qu'on a vu passer, et je vais pas les traiter plus que ça, mais les leaks qu'on a vu passer laissent penser que c'est quand même pas mal, niveau perf. Et du coup, j'ai quand même tendance à penser que si je devais me remonter une machine maintenant, j'aurais plutôt tendance à aller sur un CPU Intel, parce qu'il y a beaucoup plus de leviers pour faire des économies que sur de l'AMD. Ouais. Là, tout de suite, en tout cas. J'ai fait mon PC il y a 2 ans et toutes ces nouvelles techno donnent l'impression de jouer sur un Intel. Mais ça, c'est l'histoire même de l'informatique, hein, Ulfjobim. Hein. Malheureusement, ça sera toujours comme ça. Hein. Ça sera toujours comme ça. C'est l'histoire même de l'informatique, t'achètes un PC, il faut accepter l'idée que t'achètes un PC et que dans 2 ans, il sera de toute façon obsolète parce que ça avance, hein, quoi qu'il arrive. T'es encore sur un Core i7 2600K, Poueti, voilà, il est temps de changer quand même. Oh, ça doit ramer sur tellement de choses. Oh, il est temps de changer là quand même. Il va y avoir un 12900K à vendre de ton côté, 12. Ouh. Faudrait que je mette... J'hésite à créer 2 rubriques sur le Discord. Point d'exclamation Discord, si vous n'y êtes pas encore. Il se passe des choses là-bas, de plus en plus de choses intéressantes. J'hésite à créer 2 rubriques sur le Discord. Je vais en discuter un peu avec mes modos, parce que faudra modérer ça de manière un peu plus proche que le reste du Discord, je suppose. Mais j'hésite à créer deux rubriques... une qui serait une rubrique petites annonces pour que justement les gens puissent vendre leur matos à des gens de la commu si ça les intéresse. Et une deuxième rubrique, enfin un deuxième canal qui serait bon, des bons plans. Je sais pas si ça vous intéresserait ça, un canal bon plan sur le Discord. Où parfois je vois passer des prix particulièrement pas chers. Je fais pas spécialement de revue de prix au jour le jour, mais parfois je vois passer des bons plans qui pourraient être intéressants. Je me dis, je pourrais vous les partager sur le Discord. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter de bobards, mais je vais probablement en faire des liens traqués pour que ça me rapporte 4 centimes à chaque fois que vous achetez un CPU à 800 balles. Hein. Mais du coup, puisqu'on parlait thunes tout à l'heure, c'est un truc que j'ai pas évoqué parce que j'en suis vraiment qu'au stage où j'y réfléchis. Et ou pas, ou voilà. Mais Vank Xantia 1982 peut servir. Mais ça, pour le coup, je vais en discuter avec les modos parce que je sais que ça peut être un cauchemar à modérer une rubrique petites annonces. Mais par contre, une rubrique bon plan, j'ai envie de le faire.
Alors évidemment, comme je disais, je mettrais plutôt des liens traqués pour que ça rapporte de l'argent. Mais bon, vous, ça vous coûterait rien. Ça vous coûterait rien. Et en plus, vous pourriez y trouver des trucs intéressants à vous acheter. Donc ça peut être sympa. Je regarderai, j'en parlerai, j'y réfléchirai. Il faudrait que je crée des comptes du coup chez Amazon, chez Google et tout ça pour faire de la monétisation. Mais bon, hein, on en est là aujourd'hui. Dans tous les cas, voilà, si vous cherchez aujourd'hui le meilleur rapport performance-prix, il faudra attendre les tests, évidemment, parce que tout ça n'est pas encore sorti, mais il a plutôt l'air d'être du côté de chez Intel, ne serait-ce qu'à cause des cartes mères qui coûtent sensiblement moins cher. Tac. Ok, passons à la suite. Passons à la suite et parlons GPU cette fois. Parlons GPU et traitons un petit peu des cartes graphiques Intel qui sont enfin visiblement une réalité. Vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on disait Intel sort pas ses cartes graphiques, ils ont raté toutes les fenêtres de lancement, la 380 elle est pas géniale, on pense qu'ils vont abandonner le marché des GPU. Intel a enfin réagi à tout ça. Bon, alors là c'est une annonce tac, on va peut-être plutôt commencer par celle-là qui est probablement plus intéressante pour ouvrir cette section. Mais voilà, vous les voyez ici, Intel a enfin réagi et a envoyé à la presse ses cartes graphiques. Les dates de sortie, vous les avez ici, elles doivent être au 12 octobre pour la 770 et la 750. Intel avait annoncé qu'il donnerait les dates et les détails pour la 750 plus tard, ils l'ont enfin fait, donc on peut en parler. Et vous avez également les prix qui, encore une fois, sont des prix américains. On va en parler également. Dans du kit CPC. Ah, il a annoncé. Oh, il a annoncé. Attendez, faut que j'aille voir. T'as un lien, Kenob, où il annonce ça? Regardez mon Twitter. Ah, il l'annonce sur Canard PC. On va ouvrir là. Tac. On va pas lire tout. Hein. On va pas lire tout. Mais vous avez le lien. Vous pouvez aller lire vous-même. Dendu s'en va de Canard PC Hardware. Ma foi. Les temps sont durs. T'es passé par Twitter. Les temps sont durs. Ouais, c'est. Bon, il m'en avait un peu parlé. Hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. Mais ouais, effectivement. Ma foi, que dire. J'espère que ça va aller pour ces PC parce qu'ils sont pas dans les, dans la période la plus simple de leur histoire. Bah, je sais pas si ça pue pour ces PC. Son poste sera remplacé, hein, attendu. Hein, j'imagine ils vont pas fermer le magazine à mon avis. Je sais pas ce qu'il raconte hein, dans le truc, mais ils vont pas fermer le magazine. Je pense qu'il va y avoir une offre d'emploi qui va être ouverte prochainement par la rédaction pour trouver un nouveau poste. Je pense que c'est un départ volontaire. Je pense pas qu'il soit licencié. Non, je laisse les clés du magazine à mon futur successeur. Donc a priori, non, c'est lui qui part. Hein, c'est pas. Ouais. Oui, il parle d'un successeur. S'il y a offre, est-ce que je candidate? Je ne pense pas, Biroute. Je ne pense pas. C'est pas que je veux pas revenir chez Canard PC. Au contraire, ça me ferait super plaisir de revenir chez Canard PC. Mais le poste de rédac chef, je suis pas sûr qu'il soit fait pour moi. Lis la fin. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que... À partir de où lit la fin? Parce que c'est pas tellement découpé. Il dit que c'est perso. C'est très fatigant. Ouais, ça, pour le coup, j'ai été aux premières lignes pour le voir. C'est un boulot extrêmement fatigant d'être rédac chef de Canard PC Hardware. Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air le début du dernier paragraphe. Évoluer, changer, aller voir de nouveaux horizons. Je suis resté environ 8 ans
chez Razer TC puis Tom's Hardware avant de passer chez Canard PC Hardware et d'y rester 8 ans. C'est vrai, hein. C'est vrai. Salut Antitan. Écoutez, ouais, ben je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite le meilleur. J'espère que. J'espère qu'il va s'éclater, qu'il va s'éclater après, que tout va aller pour lui. J'espère que tout va aller aussi pour Canard PC. Je suis sûr qu'ils vont retrouver quelqu'un de très bien pour remplir le poste. Faire un magazine seul, ça doit être fou. C'est ouais, déjà faire un magazine à deux, quand on le faisait à deux avec Dandu, c'était pas évident. Il y a des périodes où on dormait pas beaucoup. Donc effectivement, faire un magazine seul, je sais que Dandu était pas ravi à cette idée pour le coup. Ouais, clairement. Mais bon. Je sais que Dandu était pas ravi à cette idée et tout le monde n'est pas capable. Moi je sais clairement que j'en suis pas capable. Je me suis posé la question de est-ce que j'y retourne si on me propose ce poste, mais je me sens pas capable de faire un magazine de cette ampleur tout seul. Alors il y aurait j'imagine des pigistes etc machin, mais voilà, me perdre a été dur. Je veux pas me, ça serait, ça, c'est gratifiant hein, de s'imaginer que c'est à cause de moi qui part, mais c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de mon départ qui part, je pense. Peut-être que ça a joué, j'imagine, mais on en a discuté, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Mais évidemment, il était pas content quand je suis parti, non, c'est clair. C'est clair. Pas capable, regarde, il y a 200 subs, tu pensais pas être capable d'avoir une stage. C'est vrai. À ce qui paraît, il y a Manuel Valls qui a appelé pour remplacer Dandu. Mais ouais, voilà, c'est ça, la charge de boulot que ça représente, honnêtement, je sais pas si je peux l'assumer. Donc, je suis pas sûr d'être fait pour ça. Actuellement, là, je gère une chaîne Twitch, je fais des piges à côté, je fais de ça, et je suis débordé. Et surtout, voilà, l'autre truc aussi, c'est que même si, comme je disais au début, pour l'instant, c'est pas la panacée parce que ça rapporte pas des milliers et des cents, pour l'instant, moi, je suis content de ce que je fais, je suis fier de mon taf, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de voir si ça peut marcher vraiment et devenir quelque chose d'important dans ma vie. Donc ouais, j'ai envie de continuer à faire du Twitch et à voir si ça peut devenir mon revenu principal, ou en tout cas, j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller, quoi. J'ai très envie de voir ça, et je pourrais pas le faire, je pourrais clairement pas continuer à faire Twitch et tout le reste si je deviens rédacteur en chef d'un magazine, même trimestriel, quoi. Ne serait-ce pas le bon moment pour lancer Bureaulogie Mag? Il y a une idée, Kenob. En ce moment, je sais pas, je vais être parfaitement honnête avec toi, je sais pas si c'est le bon moment pour lancer un magazine tout court. Ouais, on va pas se raconter d'histoire. CPC Ardent va être en pause indéterminée. Je pense pas. Non, je pense pas. Il y aura probablement des candidats pour reprendre le magazine, hein, j'en suis sûr. Non, ça c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Hein. En vrai, hein, je suis sérieux, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Relancer l'émission disquette serait un bon objectif. Mais Frédégonde, c'est revenu disquette. On a fait un disquette il y a 2 semaines. Et il faut que je regarde avec Daz. Mais je crois qu'il y a un nouveau disquette qui arrive très bientôt aussi. Voilà. Mais je sais pas quand. Et je sais pas dans quelles conditions. Mais il voulait faire du disquette en plateau, il voulait faire plein de trucs. Vu que notre Gotos est en train d'aroniser, il y a une place à prendre. Un magazine dans un matériau peu onéreux, ça coûte cher le sable. En titan, ça coûte très cher le sable. Alors premièrement, comme le dit Longhost, parce que ça sert dans plein de constructions, mais aussi parce que ça sert dans la fabrication du silicium qu'on utilise pour fabriquer nos CPU, nos GPU et tout ce qu'il y a dans nos PC.
Mais ça devient de plus en plus difficile, mine de rien. Le prix du sable a augmenté, et du coup, le prix de la fabrication des CPU et GPU a augmenté, et du coup, le prix des CPU, on vient de le voir, a augmenté, et des GPU aussi. C'était une des excuses données par Jensen Huang quand il parlait du prix des RTX 4000, en disant ouais, la loi de Moore est morte, et c'est notamment à cause du prix de la matière première pour fabriquer les GPU, donc notamment le silicium, qu'on fait avec du sable, enfin des wafers en tout cas en silicium qu'on fait avec du sable, et voilà. Je suppose que tu peux pas prendre la place de Dendu. J'ai expliqué que je ne pensais pas prendre la place de Dendu. Je pensais pas prendre la place de Dendu parce que voilà, je suis pas certain de pouvoir faire ce taf tout seul. Le boulot de rédac chef de Canard PC Hardware, c'est pas forcément pour moi tout seul. Si j'avais quelqu'un avec moi peut-être, mais tout seul, je suis pas sûr d'avoir les épaules, tout simplement. Ah mais oui, ça, je l'ai vu. Mais Gotoz et Papa, on en a parlé, mais oui. Gotoz et Papa. Bon, voilà, c'est l'instant gossip de la presse tech et JV française. Voilà, ça c'est fait. Hein. Repassons un petit peu, si vous le voulez bien, à la revue de presse. Je vis près de la mer, s'il vous plaît, je vous envoie des bouteilles remplies de sable. Moi, je t'aide, je fais un café délicieux, mais en remote, par contre. Ah, du coup, tu vas m'envoyer le café par la poste tous les jours? Comment ça se passe? Bref, parlons un petit peu des cartes graphiques d'Intel. Alors, pour l'instant, vous allez probablement voir pas mal de monde, notamment sur Twitch et compagnie, parler de ces cartes graphiques parce que l'embargo pour l'unboxing des cartes qui ont été envoyées à la presse est tombé le 30 septembre dernier. Donc, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos de... J'ai pas le lien ici, du coup c'est pas très grave. Ou peut-être des vidéos... j'ai pas le lien, c'est pas très grave. Mais des vidéos du style on a reçu la carte, on vous la déballe, on regarde ça. On va pas regarder ça ici parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ça permet aux youtubeurs de faire de la vue, hein, mais ça n'a aucun intérêt journalistique. Donc on regardera pas de déballage de cartes. Cela étant, Intel a annoncé que les cartes sortent le 12 octobre. C'est dans à peine plus d'une semaine et coûteront 300... Alors attendez, parce que là, on a $329 au prix de départ, mais la Limited Edition est à 349. Alors ce que Intel appelle Limited Edition, c'est ça, c'est l'équivalent de ce que Nvidia appelle une Founders Edition. En gros, c'est la carte et le design fait par le constructeur. Limited Edition qui n'est pas Limited pour autant. C'est le design, c'est ce qu'on appelle le design constructeur. Voilà, $349 en prix de départ pour cette version-là, $329 chez les constructeurs partenaires. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose des constructeurs partenaires, mais certains ont déjà commencé à annoncer ce qu'ils allaient sortir dessus. On va en parler juste après, sachant que, on en a parlé tout à l'heure, le prix américain aujourd'hui ne donne aucune indication fiable du prix européen qui sera appliqué ensuite. Typiquement, $349 américains aujourd'hui, sur un prix réel français, correspondrait plutôt à du 400€, peut-être 450, quelque chose dans ce style. Attendez-vous à avoir des cartes qui coûteront probablement plus de 400€, en tout cas sur le marché français, peut-être 420, quelque chose comme ça. Même traitement pour la Arc A750 qui sortira à la même date et qui sera à partir de $289 aux États-Unis. Donc même remarque encore une fois. Cette fois-ci, ils ne donnent pas le prix de la Limited Edition. Pourtant, elle existe en Limited Edition. On la voit dans les unboxings. Visiblement, elles seront toutes au même prix. Elle n'aura pas de LED, voilà, celle-là. Elle n'aura pas de lumière. Mais voilà, elle démarrera à $289. Encore une fois, n'hésitez pas à rajouter un bon 30% pour avoir une idée un peu vague du prix européen. Donc, on devrait s'en sortir autour de 350, un peu moins de 400 peut-être. 350, ça me semble être à peu près ce qu'on devrait trouver quand ça sortira. Mais voilà, les drivers
toujours aussi buggé d'après JS Toussaint et Tech Jesus. Alors ça, c'est le deuxième point dont je voulais parler. Même si pour l'instant les tests, les reviews sont encore sous embargo, j'ai noté la date de levée de l'embargo des tests. L'embargo sur les tests sera levé demain à 15h, heure de Paris. Voilà. Donc l'embargo sur les tests sera levé demain à 15h. Donc demain à 15h, on va avoir pas mal de sites et de youtubeurs et compagnie qui vont sortir leurs tests des A770 et A750. À mon avis, ça va être principalement des tests américains parce que je n'ai pas vu pour l'instant, même si je n'ai pas contacté tous les gens que je connais dans la presse tech, je n'ai pas vu de Français ou même beaucoup d'Européens avoir reçu des cartes d'Intel. Donc c'est probablement pour l'instant qu'un lancement américain. Ce qui n'est pas forcément extrêmement rassurant. Mais on va voir, on verra demain à 15h quels sont les Français qui publient eux aussi leurs tests des cartes graphiques d'Intel. Là encore une fois, je ne sais pas si on fera un hot tech spécial. Je me réserve quand même le mercredi après-midi pour avoir le temps de bien compiler les infos, machin. Je me réserve quand même le mercredi après-midi. Peut-être qu'on fera un petit stream exceptionnel mercredi après-midi. Pour à la fois passer en revue les cartes mères B650 de chez AMD dont on parlait tout à l'heure et les A770, les cartes graphiques A770 et A750 qu'on voit là pour peut-être faire au moins ça, évacuer ça pour pas attendre une semaine avant d'en parler quoi. Voilà. On verra bien si j'ai le temps de le faire. Cocotland a reçu des cartes graphiques Intel. Après Cocotland, ils sont. Je dis pas ça pour taper sur eux parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent. Mais Cocotland, ils sont très fans d'Intel, visiblement. Je vais le dire comme ça. Salut Papy Braise. Je pense pas qu'ils soient payés par Intel. Ça, j'ai aucune suspicion de ce genre-là, clairement. Mais ils sont. L'impression que j'ai en les lisant de temps à autre pendant mes revues de presse, c'est qu'ils sont quand même vachement pro-Intel. Donc ils sont peut-être très copains avec avec le service marketing d'Intel, que ce soit France ou USA. Mais il y a des youtubeurs français qui étaient à l'event. Ah bah peut-être qu'ils sont repartis avec des cartes alors. Ouais. Peut-être qu'ils vont repartir avec des cartes et qu'on les verra. Voilà, comme je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas qui en France a reçu ou pas des cartes. Visiblement que Cocotland en a, donc on verra peut-être demain chez eux des tests des cartes graphiques. Mais voilà, j'ai l'impression, à première vue depuis ma lorgnette, que c'est très américain, la distribution pour l'instant. Peut-être que demain, il y aura pas mal de Français qui publieront aussi leurs tests. On surveillera et on fera sûrement une espèce de petite revue de presse des tests mercredi, si j'ai le temps de compiler les infos, à côté de tout ce que j'ai à faire pour faire ça. Ça peut être pas mal, voilà. En titan, merci pour l'abo niveau 1, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Ils les ont pas eu, c'est Gifio et Guillaume ainsi que Pax, d'accord. Ah, bref, on verra demain, tout sera su demain. On peut quand même passer en revue vite fait les specs, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux mettre cette image en plus grand parce qu'elle est vraiment ridicule là. Elle est un peu plus grande là, vous devriez voir mieux là, je pense que c'est lisible, non, chez vous. On va agrandir un petit peu la fenêtre pour que vous voyez quelque chose. Parce que là c'est mieux, là je pense que c'est mieux. Ouais, on va faire comme ça. Ça me semble pas mal, là je pense que vous lisez pas trop mal. Mais en gros, voilà, les specs des deux cartes. Alors pour résumer très rapidement... À quoi on doit s'attendre en matière de performance pour ces deux cartes? Clairement pas du très haut de gamme, si on compare à la concurrence. La 770 devrait être au niveau d'une 3060 Ti, et la 750 devrait être au niveau d'une 3060. Pour faire très simple, si on devait comparer à ce qui est actuellement chez Nvidia, c'est à peu près à ça qu'on s'attend et vers ça qu'on se dirige. Évidemment, les tests qui sortiront demain donneront raison ou tort à ce genre de prédictions qui viennent principalement de chez Intel pour l'instant. C'est ce que je vous dis là, c'est clairement ce qu'Intel a montré comme prévision pour ses cartes graphiques. Donc, ils ont déjà dit, ils ne visent pas le très haut de gamme, ils ne visent pas la performance, ils ne visent pas les cartes les plus puissantes. Pour l'instant, ils veulent sortir une gamme de cartes qui fonctionne et après construire là-dessus. On verra demain à quel point ils s'en sortent ou pas
sur ce point. Je suis également curieux en diminuant des perfs en Argentine. Il y a des leaks, hein, si vous êtes vraiment très curieux, que vous ne pouvez pas attendre. Il y a déjà eu quelques leaks qui sont passés sur ces cartes-là, qui ne montrent pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, on ne s'attendait pas non plus à de l'exceptionnel dès le départ. Pas forcément parce que c'était mauvais, mais parce que voilà, Intel a annoncé déjà qu'il ne fallait pas attendre les perfs d'une 3080. Quoi. Voilà. Bon, après, le tableau ne sera pas forcément parlant sans parler des perfs à côté. On est sur... Alors, il y a des versions 16 et 8 Go de RAM pour la 770, on l'avait vu, ça. Uniquement 8 Go de RAM pour la 750, il me semble que c'était ça. Faut comparer ce qui est comparable, donc 3000... Voilà, c'est ça, donc il faudrait comparer à une 3060, ouais. Ouais, clairement. Et la 3060, c'est une carte qui est très bien en rasterisation, mais quand vous activez le ray tracing, sauf à avoir des algorithmes derrière, type DLSS et autres, qui vont améliorer les perfs, ben vous avez des chutes de framerate logiques. Hein. Ouais. Entre ça et la série 4 de Nvidia hors de prix, rien de bien réjouissant niveau GPU. Malheureusement, comme tu dis, Abby 9, c'est... Ouais. C'est compliqué, c'est assez compliqué, ouais. C'est pas la meilleure période pour les GPU. En attendant, voilà, ce qui est surtout intéressant de noter, c'est le TDP de 225 watts annoncé pour l'instant, à voir s'il sera respecté une fois la carte en fonctionnement et bien poussée à fond. C'est pas extrêmement élevé, surtout si on compare à ce qu'on a actuellement chez Nvidia, même si Nvidia, les TDP les plus délirants sont surtout sur les cartes les plus chères. Voilà, à voir le prix qu'on aura en France, ça pour l'instant on n'a pas trop d'idées là-dessus encore. Et à voir surtout la disponibilité réelle, parce qu'on sait que ces cartes-là seront également dispo chez les partenaires d'Intel. On peut aller voir tout de suite, on peut aller voir tout de suite la news suivante qui nous montre que Acer a déjà annoncé qu'ils allaient lancer une version custom de la 770, mais il faudra voir la disponibilité réelle, les prix de ces cartes-là, qui risquent d'être forcément un petit peu plus chers chez les constructeurs partenaires que chez Intel directement, du moins si ça fonctionne un peu comme chez Nvidia. C'est autant de choses qu'il faudra voir au final. Les GPU AMD sont pas super, si j'oublie, mais les GPU AMD sont bien, mais pour l'instant... pour plein de raisons, c'est toujours les GPU de chez Nvidia qui font référence, parce que ce sont les plus vendus, ce sont souvent à prix équivalent les plus puissants, ce sont souvent, voilà, c'est ce genre de choses. Donc voilà, Acer a annoncé qu'ils feront partie des partenaires d'Intel pour sortir des cartes graphiques sur A770 et A750 éventuellement derrière, aux côtés d'Asrock, Gunnir, MSI notamment, qui ont déjà été annoncés. Là aussi, il faudra voir dans les jours qui viennent, au fur et à mesure que les annonces s'enchaînent, qui propose des cartes, où est-ce que c'est dispo, à quel prix, pour quelle perf, et est-ce qu'il faut faire la queue pendant des mois pour en avoir une ou pas. Ce sera la question. L'autre question dont on aura la réponse que demain après-midi, c'est les perfs, on en parlait. Quelles seront les perfs en ray tracing, quelles seront les perfs en rasterisation, qui seront à mon avis la donnée la plus importante sur ces cartes-là. Que vaudront les drivers? Parce que pour l'instant, la seule carte de référence qu'on a pour voir comment fonctionne une carte chez Intel, c'est la 380. Et la 380, la réputation qu'elle s'est faite très très vite quand les reviewers ont pu la tester, c'est que les pilotes, les drivers, sont pas bons. Genre tellement pas bons qu'il y a des cartes qui ont été briquées, qu'il y a eu des gros problèmes d'optimisation sur plein de trucs, que la carte, elle fonctionne pas trop mal sous DirectX 12, mais dès que t'as un jeu avec DX11 ou une version plus ancienne ou avec Vulkan, ça marche pas forcément aussi bien, voire ça marche pas du tout, donc c'est très compliqué, etc. Voilà, donc il faudra voir ce genre de choses-là. Intel a annoncé déjà qu'ils avaient eu beaucoup de mal à optimiser les pilotes dans certains cas, notamment sur certaines API. Donc ils partent de zéro sur les drivers, donc c'est un vrai problème. Ils ont beaucoup de problèmes à ce niveau-là, à voir comment ça va se passer avec les cartes censées être plus puissantes qu'une A380, des cartes qui vont cette fois-ci se dessiner vachement plus aux joueurs que la 380, parce qu'elles vont aller directement faire concurrence au RX 6600 et au 3060 de chez Nvidia. Donc voilà.
Les tests vont être hyper importants à regarder, voire à la console aussi, évidemment, parce que ça devient aussi une donnée importante aujourd'hui sur les GPU. Tout ça, ça va être des choses qu'il faudra vérifier, qu'on regardera évidemment la prochaine fois qu'on se retrouvera en stream. Je sais pas encore si ce sera mercredi, je suis pas sûr d'avoir le temps, mais ce sera au moins au plus tard lundi prochain où on fera ça. Et voilà, on essaiera d'être exhaustif autant qu'on peut. Eut un temps, t'as eu une carte graphique Intel en dépannage en attendant le matos que tu voulais. Il y avait le jeu Incoming offert avec. C'était quand ça, Andymion? C'est marrant ça, cette anecdote. C'était quand et c'était quoi comme GPU? Fin des années 90, d'accord. Intéressant. Tu cherches le nom? Il y avait, oui, c'est pas la première fois. Alors attention, hein, là, on parle des cartes Intel, machin. C'est la première fois qu'ils arrivent à faire un lancement aussi large de GPU pour les joueurs. Mais c'est pas la première fois qu'Intel fait des cartes graphiques. Ils avaient déjà essayé avant et ça avait été des échecs, justement. C'est pour ça qu'on est un peu méfiant. Aujourd'hui, quand on regarde Intel et ce qu'ils font, parce que ben voilà, il faut voir avec ça aussi. Il y a toujours ce problème de est-ce que les cartes vont être intéressantes, est-ce qu'elles vont permettre de jouer correctement, est-ce qu'elles vaudront leur prix face à la concurrence, surtout. Tu dirais plutôt que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, effectivement. Ça n'a pas marché. Il faudra voir comment les arcs marchent. Pour l'instant, ça part pas forcément sous les meilleurs auspices, mais peut-être que les A770 et A750 vont rattraper ça. Ça suffisait pour la 2D à l'époque avec les Voodoo qui géraient la 3D. Ouais. C'était la puce I740. C'était pas un GPU intégré, ça. C'était une vraie puce. Je me rappelle pas de ça. 740, qu'est-ce que ça dit? Là, ça fiche Wikipédia. Ah, exact. Exact. Vous vous rappelez des vieux GPU où il n'y avait pas besoin de coller un ventilateur de la taille de... Ouais. De la GPA, ça nous renvoie loin, hein. Ça nous renvoie loin avec les broches en quinconce comme ça, là. Ouais. Ça nous renvoie loin. D'accord, effectivement, ça, il l'avait sorti, ouais. Intel Extreme Graphics. Combien de temps c'est resté sur le marché, ça? Y a pas de... Il n'y a pas de date exactement. Combien de temps c'est resté sur le marché? Ils ont annoncé la suite en avril 99. C'est sorti en février 98, donc c'est resté un peu plus d'un an sur le marché. Concrètement. Ma foi. Ouais. Real 3D. On fait de l'archéologie là, hein. Oh, putain, ce logo! Oh là là! Oh là là! Enfin bref! Tout ça pour dire que demain aux alentours de 15h, on devrait en savoir enfin un peu plus sur les nouveaux GPU d'Intel. Et peut-être que pour une config milieu de gamme, ça sera un GPU de choix pour monter sa machine à Noël. À voir les prix et les dispos, bien sûr. Peut-être qu'on en saura beaucoup plus dans les jours qui viennent. Surveillez vos réseaux demain et surtout surveillez vos réseaux le 12 octobre pour voir les prix. Peut-être pas Day One, probablement pas Day One, hein, on va être honnête. Ouais. Ah, la Voodoo 1 de chez Guillemot.
Il y avait une autre boîte de GPU qui appartenait au Guillemot aussi, c'était Hercule. Je sais pas si existe encore d'ailleurs Hercule. Mais il y avait Hercule aussi, je crois que c'était plus tard d'ailleurs, hein, qui faisait des GPU pour PC. Matrox Mystique, c'était de la bonne cam. Ouais. Hercule, c'était le nom après le changement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, ça je l'avais mis pour le prix de la carte. Oui, voilà, ils ont enfin donné les specs, effectivement, et la date de sortie et le prix de la 750, donc toujours le 10 octobre. Pour un peu moins de 300$, il faudra voir le prix européen. Parce que là aussi, je ne suis pas forcément serein là-dessus. Mais on verra à quelle sauce on sera mangé. Enfin, Intel n'a pas non plus dormi en annonçant ses GPU, puisqu'ils ont également annoncé qu'ils sortaient le XESS. Alors, ils n'ont pas fait que l'annoncer, puisqu'il y a des jeux qui sont enfin sortis et qu'ils le prennent en charge. Alors, Shadow of the Tomb Raider étant un jeu de quand déjà 2018 maintenant, il est sorti. Peut-être même encore avant. Donc il commence à dater un peu, mais écoutez, les constructeurs de GPU l'aiment bien, ils se chopent toutes les nouvelles technologies. Il a le Ray Tracing, il a le FSR, il a le DLSS, il a maintenant le XESS aussi. Donc il est un peu devenu le benchmark par défaut pour tous les reviewers pour tester les dernières technologies. Et le jeu est encore propre, hein. Il fait encore... Bon, après il tourne maintenant sur un grille-pain, hein. Faut pas se mentir, Shadow of the Tomb Raider c'est pas le jeu le plus gourmand de la galaxie aujourd'hui, mais vu qu'il est compatible avec absolument tout et qu'il vient de recevoir une mise à jour pour gérer le XESS, eh bien il a été testé avec un peu tous les types de GPU possibles pour ça. Donc j'ai fait un petit tour de qui avait testé le XESS dans Shadow of the Tomb Raider. Pour info, c'est pas le seul jeu à avoir reçu une mise à jour XESS, puisque je crois que Death Stranding, la version Definitive Edition, je crois qu'elle s'appelle, de Death Stranding, a également reçu une mise à jour pour gérer le XESS, et que d'autres jeux vont arriver avec bientôt. Il y a un leak qui a annoncé que Returnal, exclu PS5, allait tôt ou tard sortir sur PC avec une gestion du XESS. Alors, étant donné que c'est un leak, la fiabilité de cette info est laissée à l'interprétation des gens qui l'écoutent ou qui la relaient. Donc, toujours méfiance, hein, évidemment. Mais voilà, il y a de plus en plus de jeux qui vont à l'avenir prendre en charge le XESS, qui est la techno de super sampling d'Intel, concurrent du DLSS et du FSR chez respectivement Nvidia et AMD. C'est le troisième, alors Shadow of the Tomb Raider, c'est le troisième dans la série des reboots qui ont commencé en 2013, si je dis pas de conneries, ou peut-être même encore avant. Oui, c'est le troisième dans cette série-là, et il est pas mal, hein. Moi je l'avais fini il y a 2 ans. Il est pas trop mal, il est plutôt bien. Ouais. Si les GPU prenaient en charge XESS, ce serait vraiment strong. Alors justement, il y a des IGPU qui prennent en charge XESS 12. On va en parler juste après. On va en parler parce qu'il y a quelques petites données intéressantes à en tirer. Alors XESS, pour revenir très rapidement sur ce que c'est une technologie concurrente du DLSS et du FSR, donc comme je disais, chez Nvidia et AMD, et dont l'objectif est de permettre à un GPU de travailler dans une définition supérieure à celle pour laquelle il a été prévu, ou en tout cas de travailler dans de meilleures conditions sur sa définition cible. Par exemple, si vous achetez un GPU qui n'est pas fait pour le 4K, typiquement une 3060 ou une RX 6600 chez AMD, ou même une Intel Arc 770 chez Intel, vous pouvez éventuellement tenter de lancer le jeu en 4K, mais soit ça marchera pas, soit vous aurez un diaporama. Le but de technologies comme le XESS et ses concurrents, c'est de permettre à la carte graphique de calculer le jeu dans une définition inférieure à celle à laquelle vous voulez l'afficher, pour avoir un gain substantiel en performance, et d'upscaler l'image à la définition cible, tout en utilisant tout un arsenal d'algorithmes
qui peut ou non utiliser un entraînement par des IA et compagnie pour améliorer la qualité de l'image et faire en sorte que l'upscaling que vous, vous appliquez sur votre image ne se voit pas trop, voire ne se voit pas du tout. Dans certains cas, le DLSS est tellement bien foutu qu'il permet d'obtenir une image de meilleure qualité quand vous l'avez activé que quand vous ne le mettez pas. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Donc le XESS, c'était la solution d'Intel pour permettre de jouer dans de meilleures conditions avec ses cartes graphiques, mais aussi avec d'autres, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas compatible uniquement avec les GPU d'Intel, mais avec à peu près tous les GPU de dernière génération. Alors, les tableaux de TomsHardware.com ne sont pas agrandissables en cliquant dessus, il va falloir que j'ouvre l'image dans un nouvel onglet, voilà. Et même comme ça, c'est pas super grand, j'espère que vous pouvez lire correctement. Apparemment, vous pouvez lire correctement. Du coup, j'ai pas vu, tiens, Longos, les persos de Virtua Factor corrigés par l'IA. Si jamais t'as un lien, ça, pour la curiosité, je suis intéressé. Mais ouais, je suis intéressé. Donc voilà, vous voyez que vous avez... alors, on va décortiquer un peu le tableau. Là, c'est un tableau en 1440p. Sur pas mal de GPU, pas forcément tous très puissants et pas forcément tous prévus pour ce type de définition. Mais on voit que sur des cartes très puissantes comme la 6700 XT, qui est censée être une carte très à l'aise en 1440p, où vous avez jusqu'à 100 FPS en moyenne, 100 FPS en moyenne sur Tomb Raider avec les réglages en élevé. Vous gagnez un petit peu avec le XESS activé, mais le gain, c'est pas 10%, vous voyez. C'est pas 10%, donc c'est pas forcément le gain le plus violent que vous aurez sur ça. Alors c'est marrant parce qu'ils ont mis 5700 XT native. Et je vois pas... Si, je le vois, d'accord, voilà. Il y a certains cas, et c'est ça qui est intéressant de noter, il y a certains cas où, quand vous activez le XESS, vous avez même une perte de performance. Typiquement, pour la 5700 XT que vous voyez ici, en native, vous avez 70 FPS en 1440p avec les réglages élevés. Quand vous activez le XESS, et ça, c'est un truc qu'on va retrouver souvent, on va en parler, c'est un truc qu'on va retrouver souvent, vous avez une perte de performance au lieu d'avoir un gain. Ce qui est un peu dommage, hein, on va pas se mentir. C'est un peu le XS, ouais. Le XS. Mais ouais, voilà, vous avez une perte de perf qui, cette fois, est de pas loin de 10%. Justement, dans votre sens. On pourrait croire que c'est une erreur du tableau, mais en vrai, non, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois sur plusieurs GPU, en réalité. Et qui n'est pas extrêmement rassurant sur la techno. Voilà. Sur une A380, c'est intéressant aussi de regarder parce que vous avez donc le XESS activé en mode performance cette fois-ci. Alors l'A380 en natif, elle fait du 27 FPS en 1440p sur Tomb Raider. Si vous activez le XESS, vous pouvez monter jusqu'à 40 FPS, 36 FPS. Donc vous avez un gain quand même assez important sur la carte et jusqu'à, alors là c'est avec les réglages les réglages les plus élevés, avec, si vous baissez un peu les réglages, vous avez 45 FPS sans le XESS et jusqu'à 58 FPS avec. Donc là vous pouvez carrément jouer dans des conditions correctes au jeu sur une A380 en 1440p. Ce qui est pas mal. Malheureusement, on a clairement l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux avec des GPU d'Intel qu'avec des GPU d'autres marques. C'est pas nécessairement très rassurant. Si on regarde avec une 5600 XT en natif, vous avez 57 FPS. Et avec le XS activé, vous avez plus que 46 FPS. donc voilà, je suis pas certain de comment ils comptaient faire marcher la tech sur des cartes graphiques non Intel, mais visiblement il y a quelque chose qui manque aux GPU concurrents actuellement pour fonctionner aussi bien avec XESS que sur les GPU d'Intel. C'est quelque chose qu'on retrouve visiblement aussi avec des cartes graphiques Nvidia, faut que j'ouvre en grand, parce que celui-là je ne l'ai pas épluché pour le coup encore.
Voilà, donc si on regarde typiquement la RTX 2070 en XESS, apparemment le XESS fait de meilleurs résultats chez Nvidia que chez AMD. Si on regarde la 2070, par exemple, elle a 71 FPS en natif sur Tomb Raider. Si vous activez le XESS, vous avez jusqu'à 85 FPS en XESS sur une 2070. Donc c'est quand même une carte graphique qui a 4 ans. Et vous avez jusqu'à 91 FPS avec le DLSS activé. Donc le DLSS, c'est normal, hein, c'est une techno plus avancée qui utilise mieux les unités de calcul d'IA intégrées au GPU de Nvidia. C'est pour ça aussi que c'est exclusif au GPU d'Nvidia pour le coup. Mais vous avez quand même un gain sur les GPU Nvidia quand vous activez le XESS, qui non seulement n'existe pas forcément sur les AMD, mais qui en plus peut causer des pertes de perf sur les AMD. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de regarder, c'est que si vous avez un GPU AMD, ça vaut peut-être pas forcément le coup d'activer le XESS. Ils ont dit que leur GPU s'allie avec leur CPU qui possède une partie graphique pour améliorer les perfs. Alors il faudrait voir effectivement, moi j'ai pas eu accès à la doc pour regarder le détail de comment fonctionne précisément le XESS à l'intérieur. Il faudrait que je contacte Intel pour voir s'ils ont ce genre de doc sous la main et voir s'ils peuvent me l'envoyer pour qu'on fasse un petit décortiquage en stream. Ça pourrait être intéressant. Mais dans tous les cas, ouais, ce qu'on retient globalement, c'est que le XESS, ça marche pas génial avec les GPU d'AMD et voire même ça flingue un peu les perfs. C'est pas le XESS mais le QuickSync. Oui, c'est ce qui me semblait aussi. J'ai pas l'impression qu'en jeu c'était censé avoir de gros effets avec le XESS, notamment enfin le fait d'avoir un GPU intégré. Mais surtout ce que j'ai pu noter moi et qui est intéressant, c'est que PC Gamer l'a testé sur un GPU intégré. Je sais plus qui parlait de ça, je crois que c'est 12 qui parlait de ça dans le chat. PC Gamer l'a testé, ce que n'a pas fait Tom's Hardware pour le coup, ils l'ont fait que sur des GPU dédiés pour ce que j'ai pu voir. Mais PC Gamer l'a testé sur un GPU dédié, alors un GPU AMD en tout cas cette fois. Et a noté également la même perte de perf quand il l'activait que quand il l'activait pas. Alors le 5700G, c'est pas forcément le meilleur GPU pour jouer, il n'est pas fait pour ça, clairement, comme tous les GPU intégrés, il n'est pas fait pour jouer. Mais un des arguments de, entre guillemets, de vente de ces technologies d'amélioration de l'image, c'est que, étant donné qu'elles provoquent de fait mécaniquement un gain de perf quand vous les activez, ça permet à certains GPU intégrés qui n'avaient pas des perfs terribles en jeu de jouer, donc notamment sur des laptops qui n'étaient pas faits pour le gaming mais qui ont un GPU intégré qui est un peu limité mais qui est largement suffisant pour afficher Windows et ses applis. Dans certains cas, du coup, vous activez le FSR ou désormais le XESS et vous pouvez jouer à certains jeux sous certaines conditions. Malheureusement, dans le cas du 5700G qui équipe pas mal de laptops, hein, mine de rien, et pas mal de PC de bureau aussi, ça vaut pas le coup avec le XESS, parce que pareil, dans Tomb Raider, quand ils l'activent, donc ils ont 20 FPS, ils expliquent, je crois que je peux agrandir l'image, yes. Ils ont en 1080p avec les réglages les plus élevés, ils ont 20 FPS avec le 5700G, donc le GPU intégré au 5700G, et quel que soit le mode de XESS qu'ils activent, donc on a performance, équilibrée, qualité ou ultra qualité, un peu comme avec le DLSS, et d'ailleurs aussi un peu avec comme avec le FSR. Quel que soit le mode de XESS qu'ils activent, ils ont systématiquement des plus mauvaises perfs sur le benchmark que s'ils ne l'activaient pas. Donc voilà. Je crois que c'est Andymion qui demande est-ce que ça doit être intégré au jeu. Oui, il faut que les jeux intègrent simplement le menu hein, qui permet de l'activer et donc les optimisations qui vont avec. Donc c'est au cas par cas selon les jeux. Comme je disais, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider a reçu une mise à jour pour ça. De même que la Definitive Edition de Death Stranding en a une aussi. Je crois que ça s'appelle Director's Cut ou je sais plus. Enfin bref, c'est celle avec la pochette jaune au lieu de la pochette bleue. Hein. Je ne me rappelle plus du nom exact. Mais voilà, et que d'autres jeux allaient sortir après avec les fonctions XESS présentes. Mais voilà, si vous avez un GPU AMD et même si vous avez un GPU intégré qui n'est pas terrible pour le jeu, ça vaut pas le coup de l'activer, voire même ça flingue les perfs. Donc à ne pas faire.
5710, c'est un CPU desktop, oui, mais les unités qu'ils utilisent pour la partie vidéo du 5700G sont les mêmes que celles qu'on retrouve dans les CPU pour laptop, avec parfois plus ou moins d'unités de calcul, mais l'architecture est la même à chaque fois. Et donc du coup, il y a de bonnes raisons de penser que si on a ce résultat-là sur un 5700G, on aura le même genre de résultat, ou en tout cas un tableau qui ressemble avec les GPU intégrés au laptop, en tout cas du côté d'AMD. Ouais. Voilà. Donc je suis assez surpris de voir qu'a priori personne n'a vraiment fait le test avec les GPU intégrés, en tout cas j'ai pas vu et j'en ai pas sous la main, je peux pas le faire moi-même, avec des GPU intégrés chez Intel, parce qu'il y en a plein, hein. Intel a sorti le Intel Xe il y a quelques temps déjà, c'est dispo un peu partout, il y a moyen de tester. Personne ne semble l'avoir fait, je suis curieux de voir les gains de perf que ça permet d'avoir. Comme je disais, j'ai pas de CPU Intel avec GPU intégré ici pour faire des tests de ce genre-là, autrement j'aurais déjà essayé et je vous aurais sorti un petit tableau qui permettait de se faire une idée. Mais voilà, j'ai dans mes recherches faites vite fait hier soir et ce matin, j'ai pas vu de publication qui avait fait ce genre de test. Donc je suis curieux de voir exactement ce que ça peut donner. J'imagine que ça va venir, quelqu'un va le faire et sortira un tableau. Mais dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche pas trop mal chez Nvidia, même si ça marche moins bien que le DLSS. Donc il n'y a pas tellement de raison d'utiliser ça plutôt que le DLSS pour le gain de perf, en tout cas, et que ça marche pas terrible, voire ça flingue les perfs sur les GPU AMD pour le moment. Voilà. C'est con, il manque juste 4 FPS et il pourrait diffuser les cinématiques du jeu d'un bloc. Voilà, comme tu dis Andimion, si on a un GPU Nvidia, ça peut valoir le coup sur un jeu qui gérerait XeSS, mais pas DLSS. Voilà. Longos, tu as mis le lien, je ne l'ai pas cliqué parce que j'étais en pleine explication à ce moment-là, mais tu as mis le lien vers, tu disais, Virtua Fighter amélioré par l'IA. Qu'est-ce que c'est comme IA, ça? Oh là là, oui, on voit le gros bloc, les gros blocs de Virtua Fighter de l'époque. Qu'est-ce que c'est comme IA qui a fait ça? Stable Diffusion. D'accord. C'est pas mal, hein, le résultat. On voit que c'est pas parfait partout. Tu vois la main, là. Tu sens qu'il a pas, l'IA a pas su trop quoi faire sur la main. Mais c'est rigolo de voir que le résultat est quand même assez convaincant. Il faudrait voir à quoi ressemble Sarah dans Virtua Fighter 5, par exemple. Attendez. Elle s'appelle Sarah, hein, Virtua Fighter 5. Voir si l'IA a au moins deviné la tête correctement. J'ai pas l'impression, quand même. Hein. Ah, encore que. Encore que. Eh, ça se tient, non? Ça se tient, hein? On y est presque. On y est presque, hein, en vrai. Hein. Karen plus que Sarah. En vrai, on y est presque, hein. C'est pas la même tête, mais y a de l'idée. F6 comme une langue pretty well. Si je scroll, il y en a d'autres. Allez, allons voir. Allons voir. Putain, vraiment, en même temps, ce que tu fournis. C'est rigolo. Mais là, il a essayé de faire un truc réaliste. Là, il a essayé de faire un truc trop réaliste, je trouve. Si on cherche Jackie, alors attends. On va tous les faire. Ouais, là, par contre, c'est vachement plus chaud. Là, c'est vachement plus chaud. Voyons voir. Encore que, hein. Encore que. Michael Vendetta. Encore que. Mais là, le problème, c'est que c'est un rendu 3D, là aussi, techniquement. Enfin, c'est pas un rendu 3D, c'est un calcul d'IA. Mais c'est basé sur des photos d'êtres humains réels. Donc, on a des muscles bien dessinés, là, avec... avec une tête vachement réaliste, alors que là, bah, on voit que c'est de la 3D. la team shape. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En dessous, on a Akira. Oh, là, pareil, putain, il a essayé de nous faire un japonais. Voyons voir Akira.
Virtua Fighter 5. Parce que les versions d'avant, on s'en fout un peu, on veut la plus réaliste possible. Yeah. Ouais. Hein? C'est... Mais oui, tais-toi. Tac. Ouais, Akira, c'est pas la même personne, là, pour le coup. Et c'est vrai que ça dépend du paramètre que tu donnes à Stable Diffusion, ouais. Ouais, ouais. Oui, Akira, bah, il est basé sur Ryu, hein, clairement. Là, Akira, on n'y est pas. En même temps, on part de ça. Hein. Il faut... Enfin, pour la défense de l'IA, on part de ça, quand même. Donc, forcément... Kage, ouais, forcément. Kage, il va avoir un masque aussi, donc... Kage Maru, d'ailleurs, il s'appelle. Oui, forcément, Kage, il ressemble à un ninja avec un masque et un chapeau. Bon, soit, admettons. Ah, non. Mais là, on est vraiment très loin. Là, on dirait Mario, hein. On dirait pas là-haut. Attends. On est vraiment très loin, là, quand même. Hein. On est vraiment très loin. Hein. Attendez. Hop. Oui, hein, j'adore. Hein, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Mais là, pour le coup... Bon, après, en plus, ils l'ont fait vieillir... Merde, c'est pas lui que je veux, c'est lui. En plus, ils l'ont fait vieillir. Donc, Oh putain. C'est vrai, c'est Tao Pai Pai. Ils ont refait Tao Pai Pai. Mais là, ouais, là, on est... c'est pas la même personne. Là, clairement, c'est pas la même personne. Bon. Mais encore une fois, pour la défense de l'IA, on part de ça, quoi. Là, pour le coup, c'est Tao Pai Pai aussi, hein, clairement. Ma foi. Il a fait tout le cast. Je sais pas si on va tous les faire. Hein. Oh, il en reste plus beaucoup, Rana. Jeffrey. Tac. Oh putain. On dirait une version Leader Prize de Childish Gambino, quoi. Non, pas de Jeffrey Dahmer, non. Fighter 5. Il y est dans VF5, Jeffrey, non? Ah, il y est pas dans VF5, Jeffrey, ici. Prends ton temps, il est où? Putain, je déteste internet, il est là, Jeffrey. Je peux pas le mettre en grand, je déteste internet. Voilà. Ah ouais, ça va, on est pas trop loin. Ça va, ça passe bien. Ah merde, oh putain, j'avais pas vu. Il a le pouce à l'envers. En fait, il a deux pouces, je crois. Il a un pouce là et il en a un autre ici. Ouais. Et puis il a un bras un peu désarticulé aussi. Mais sinon, la tête, ça va. Hein. Il a deux bras gauche, ouais. Ouais. La tête, ça va. Hein. En vrai, bon, lui est plus convaincant, évidemment, mais en vrai, ça passe. Hein. Mais oui, c'est une IA, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Hein. Ouais. Paille. Ah, il y a de l'effort. Elle a la jambe encore un peu cubique, là, mais il y a de l'effort. Alors, attends, paille. Ah, c'est une vidéo, c'est la miniature d'une vidéo YouTube. Pourquoi c'est que des miniatures de vidéos YouTube? Pourquoi je retourne pas sur Fighters Generation? C'est vachement bien. Bon, ma foi, on va se contenter de ça, c'est pas grave. Ouais, ma foi. Si, en vrai, ça va, hein. En vrai, ça va. Deux pouces, plus de phalanges. Ouais, ouais, bah après, elle part de ça, quand même, hein. Franchement, hein. L'IA, pour faire les mains, elle part de ça. Même pour faire la tête, elle part de ça. Elle arrive quand même sur un résultat qui est assez convaincant, hein. On va pas faire Dural. Ah putain, Wolf, ça va aussi en vrai. C'est Wolf, hein, qui s'appelle, hein. Ouais. Wolf, ça va aussi en vrai.
Après, il a de la peinture sur la gueule, donc si on va sur le wiki, on aura sa tronche, non ? On peut pas voir sa tête en grand. Ça y est. Ouais, en vrai, ça va. En vrai, ça va. On dirait, oh, putain, on dirait que c'est le même, quoi. Franchement, ça va. Photoréalisme cringe. Ouais, bah ouais. Ah, j'avoue que jouer à Virtua Fighter, on dirait quand même un jeu à pas cher, là. Franchement. Ouais, il y a un petit Uncanny Valley assez chelou, quand même. Il y a un petit Uncanny Valley assez chelou. Mais globalement, le résultat, quand tu sais qu'elle part de ça... En vrai, hein, quand tu sais qu'elle part de ça, le résultat obtenu par l'IA, il est pas si mal. Il est pas si mal. Bref, revenons à nos moutons. Fermons tous nos onglets, là. Tac, 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 tac. Ça, ça peut partir. Revenons à nos moutons. Et donc voilà, XESS. Donc comme je disais, voilà, je suis un peu déçu de voir que. Ça n'a pas été testé sur. Sur les GPU Intel. Peut-être après un. Après quelques temps, peut-être que certaines publications feront ce genre de test. Faut juste lui apprendre la physionomie et ce qu'est une direction artistique. Non mais voilà, je pense qu'avec les bons paramètres, tu peux obtenir des trucs vraiment bien, pour le coup. C'est impressionnant, hein, ce qu'on a avec des IA aujourd'hui. Ouais. Virtua Fighter, c'est le feu, on aura un 6 un jour. Mais le 5, il est déjà vachement fun à jouer, hein. En vrai, hein. Le 5, il est déjà vachement cool. J'y avais joué quand... Je crois que c'était encore à l'époque de Canard PC, j'avais fait un stream quand il était sorti sur le PSN. Il me semble qu'on avait fait un stream dessus et on s'était bien marré. Hein. Franchement, il était cool. Il était cool. Ouais, il y a 10 personnes does not exist, effectivement, qui avaient des photos assez impressionnantes de personnes exclusivement générées par IA. C'est vrai que c'était balèze, ouais. Ouais, clairement. C'était balèze. Enfin voilà, tout ça pour dire que XESS, c'est dispo dans une poignée de jeux pour l'instant. Ça a l'air de marcher bien sur les GPU d'Intel, un peu moins bien sur les GPU de Nvidia et pas du tout sur les GPU d'AMD. J'essaierai, parce que pour le coup, je l'ai, hein, Tomb Raider, tout le monde l'a maintenant ce jeu. Je l'ai Tomb Raider, donc je pourrais essayer, j'ai du GPU Intel, enfin non, j'ai pas de GPU Intel ici, mais j'ai du GPU AMD et j'ai du GPU Nvidia à la maison. Donc je peux toujours essayer de faire quelque chose d'assez intéressant, si vous voulez un tableau fait maison de ce que ça donne. J'essaierai quand même de voir les résultats. Et si j'arrive un jour à me procurer un GPU Intel pour faire des tests, j'essaierai bien entendu de vous faire quelque chose d'un peu plus complet. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des news de la semaine. On peut se remettre comme ça. Où est mon truc ? Il est là. Stable Diffusion, ça permet d'entraîner le modèle d'IA pour le spécialiser, ce qui me fait penser que les textures HD, comme présentées par Nvidia, vont devenir une norme. Alors Nvidia, officiellement, maintenant en interne, je ne sais pas comment ça se trouve, c'est différent, mais officiellement, Nvidia, ils ont leur propre réseau de neurones, on appelle ça. Leur propre neural network pour les IA du DLSS et de tout ce qu'ils utilisent là-dessus. Mais Karim Debache a fait un stream Stable Diffusion, c'est vraiment ouf quand elle est bien trainée. Ouais, clairement, non, mais clairement. Le truc, en fait, c'est que c'est même le principe, hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui une IA, enfin d'un réseau neural. C'est que plus tu le fais tourner et que plus tu lui fournis de nouvelles données, et plus l'IA apprend et plus elle s'améliore dans un truc ou dans l'autre. Mais la contrepartie de ça, c'est que si tu lui files des données pourries à l'IA, elle va aussi apprendre des trucs pourris, mais comme un enfant, hein, en fait. Hein. C'est un peu le même principe. Mais ouais, plus tu lui fournis de données et plus tu lui, euh,
plus tu l'entraînes en fait, et plus elle apprend. C'est réellement comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, oui, plus tu vas utiliser Stable Diffusion pour créer des images et rigoler et les partager sur Twitch ou sur Twitter ou compagnie, plus l'IA elle-même va apprendre et plus elle sera performante. Ouais. Là-dedans, il faudra voir un peu ce que ça donnera avec le temps, mais on arrivera à terme, on arrivera à un point où on aura des, on en a déjà d'ailleurs, on en a déjà aujourd'hui des images qui sont créées par des IA et c'est impossible de le deviner, ouais. C'est absolument impossible de le deviner. Accessoirement, tous les captcha que vous voyez sur Google et compagnie, où ils vous demandent de reconnaître un feu rouge, où ils vous demandent de reconnaître un passage piéton. Ce genre de choses, quand vous faites ça, en vrai, vous entraînez aussi des IA, hein, en réalité. Imaginez une IA qui pond des scénarios de Luc Besson. Exactement. Une IA qui pond des scénarios de Luc Besson et qui fait des films. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux pondre un scénario avec une IA, mais aujourd'hui, tu as des IA qui font des choses qu'on n'imaginait pas il n'y a pas si longtemps. Tu as des IA qui... des images, maintenant on est au courant, qui font des vidéos qui vont avec, etc. On a des IA qui composent des musiques, on a des IA qui écrivent des textes réellement, c'est-à-dire que tu leur fournis une info, l'IA va aller chercher sur le net des trucs relatifs à cette info et va écrire un article sur ce que vous lui avez demandé. Il y a aujourd'hui des IA qui font ça. Donc, ouais. Danger, héros, kidnapping, amour, fin. Et hop, c'est bon, vous avez le nouveau Taxi, ou le nouveau Tekken, ou le nouveau Lucie. Suis-je une IA? Ah, ben voilà, c'est la question. Montrez-moi un feu rouge, et je vous dirai ce que je vois. Montrez-moi un feu rouge, et si je plante, vous savez que j'étais une IA depuis le début. Et voilà. Il y avait un thread Twitter où un universitaire américain se plaignait que ses étudiants faisaient leur essai avec des IA. Une moustache générée par IA. En 10 millions, j'y ai pas pensé, mais en vrai, j'aurais dû mettre un filtre. J'aurais dû mettre un filtre qui m'aurait collé une moustache. Comme ça, j'aurais pas eu à m'emmerder à me raser la moustache. Vous auriez eu la moustache. Mais ça aurait été tellement malhonnête. Vous auriez eu la moustache. Et moi, j'aurais pas eu besoin de la raser. Et ça aurait été, ça aurait été parfait, vous voyez. En petit, on voit pas trop la moustache. Bah non. Effectivement, pour la prochaine fois, ouais, exactement. Salut Morgul. En petit, on voit effectivement pas trop la moustache, ouais. La petite mousquetaire te va encore. Bah c'est gentil. Moi, je suis... Mais j'ai pas l'habitude aussi. J'allais dire, je suis pas fan. C'est pas... J'ai pas l'habitude, tout simplement. Disant la vérité, je n'ai pas l'habitude. Mais ouais. Nous sommes fins connaisseurs de moustaches, nous aurions vu la différence. Je me doutais, bah oui, ça vous aurait pas trompé. Non, ça vous aurait pas trompé. Techniquement, tu n'as pas rasé. Non, c'est vrai que j'ai pas rasé la moustache, j'ai rasé tout ce qu'il y avait autour. Effectivement, j'ai rasé tout ce qu'il y avait autour. Un stream au poil, effectivement. Mais ouais, écoutez, c'était cool comme stream. The student essay was written by an AI transformer program. I get it to prompt the construct of learning styles is problematic because including the headings and references. Mais vous pouvez déjà essayer une IA qui vous génère une histoire. Si vous utilisez et je sais que Sebum de Canard PC est un énorme fan de ça, mais si vous utilisez GPT-3 par exemple, qui est le nom hein, d'un jeu en réalité qui vous crée une histoire en fonction de ce que vous lui donnez comme information, vous créez en gros un jeu de rôle en texte, un CRPG en texte comme dans les années 70 et 80, et vous génère l'histoire au fur et à mesure que vous avancez dedans en réalité. GPT lol trop fun. Mais ouais, vous avez carrément une IA qui vous génère une histoire au fur et à mesure que vous avancez dedans.
Et vous, vous lui dites, bah, je veux aller à droite, je veux ouvrir telle porte, je veux faire ça. Et ça vous crée histoire au fur et à mesure. Alors l'histoire que ça vous crée n'a souvent ni queue ni tête. C'est très drôle, hein. Mais ouais. Et AI Dungeon fait ça, ouais. Voilà, exactement. Et AI Dungeon fait ça. Sur GP, qui est sur GPT 2 ou 3, AI Dungeon, je sais même plus. Tac, attendez. Si je me mets là. J'ai jamais utilisé AI Dungeon, alors je sais pas ce que... En plus, c'est qu'en anglais, non ? Il y a une version française d'AI Dungeon ? J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Popular scénario. Lure de waifu. 4 girls. Putain, mais c'est que des trucs... Romantique side quest. Sérieux, ça va tourner autour de toujours autour de la même chose. Princess Maid. The Goblin in Your Bed. Non mais sans déconner. C'est vraiment pour ça que vous utilisez les IA en 2022. Vous foutez de moi ou quoi? Oui, qu'en anglais. Bon, ma foi. Ça prend longtemps. Ah mais il faut se créer un compte. Il faut se créer un compte, c'est ça. Qu'est-ce qu'on prend comme ambiance? Qu'est-ce qu'on prend comme ambiance? Cyberpunk, zombie, fantasy, mystery. On essaie une partie ou pas? À l'époque, c'était en accès libre. Ça a l'air de l'être toujours là. Hein. Il me demande pas de créer un compte ni rien. On peut leur apprendre à on peut aussi leur apprendre à conquérir le monde à la place. Ouais, c'est clair. On essaie une partie. Allez, je vais vous laisser choisir. Vous avez une minute. On va choisir le thème. C'est où? C'est où les sondages? C'est là. Vous allez choisir. Alors, on a fantasy. Mystery, c'est pas un thème mystère. C'est, je sais pas ce que ça veut dire. Zombie. Vous voyez rien? Comment ça se fait que vous voyez rien? Ah, attendez. C'est normal. Je l'ai pas ouvert dans le bon... Je l'ai pas ouvert dans le bon onglet. Attendez une seconde. Vous allez le voir. Ici. Voilà. C'est mieux. Dans du kit CPC, ouais, on en a parlé tout à l'heure. On est où? Alors, zombie... apocalyptique... Cyberpunk. Après le reste, c'est pas des options vraiment. Ok. Donc vous avez le choix. Vous avez, je vais vous mettre une minute. Vous votez pour ce que vous voulez voir, comme AI Dungeon. Puis on en fait un pendant 10 minutes. Je sais pas si c'est long à créer par contre. Et oui, non, la question a déjà été posée. Je ne prendrai pas le poste à la place de Dandu. Hop là, vous pouvez voter. Ça veut du cyberpunk. Salut Corvax. Alors, eh ben on va faire du cyberpunk, hein, j'ai l'impression. Il vous reste quoi, 10 secondes pour voter? La moustache, on aime, on vous en parle. Une histoire de cyber moustache. Ok, on va essayer de faire... Je sais pas ce qu'il va me demander comme prompt après. Hein. On va remplir ce qu'on peut. Ok, cyberpunk. Allez, c'est parti. Personnage cyborg, punk, ou flic, ou androïde. Je vais vous faire voter à chaque fois. Non, je vais choisir le reste quand même. Sinon, ça va prendre 30 ans. Quoique non, c'est rigolo si c'est vous qui choisissez. Allez, nouveau sondage. Alors. C'est rigolo si c'est vous qui choisissez. Quelle heure il est? Bon, il est pas trop tard, on a le temps. Cyborg, punk, cop ou android. Voilà.
Tac, une minute. Ouais, ça veut que je sois un cyborg. Je vais être un cyborg moustachu, c'est ça? Au pire, ouais, je fais effectivement, je fais au jugé dans le chat, effectivement, ça peut être plus intéressant. Ouais, ok, les prochains, on les fera au jugé dans le chat, alors. Parce que c'est vrai que s'il y a des gens sur téléphone, c'est pas forcément évident de voter non plus. Une cyber moustache. Finalement non, c'est pas la moustache de biker, non, j'avais pas assez de poils moi pour faire une moustache de biker malheureusement. Ok, alors ça dit quoi? Ça a l'air de se diriger vers un cyborg. Ok, alors ça sera cyborg. Alors, tac, nous sommes un cyborg. Le nom, comment je m'appelle? Bah je vais m'appeler Oni, non? Ça paraît logique. Allez hop, je vais m'appeler Oni. Et là il génère une histoire. Moustache man. Je crois que je peux pas lui dire que je veux avoir une moustache. Alors, je suis Oni, un cyborg qui vit dans la cité futuriste de Zyle. J'ai un bras bionique et un... Holoband, ça, c'est quoi? C'est un bracelet holographique, c'est ça? Je marche dans une cité sombre, dans les rues d'une cité sombre, pendant que des néons flashy éclairent au-dessus de moi. Je passe dans une ruelle et je vois quelqu'un sortir de derrière la ruelle. D'accord. C'est un humain habillé avec une robe, une longue robe noire, une longue cape noire même. Je vois son visage, il sourit. Cette personne n'est pas quelqu'un à qui on peut facilement faire peur. Il est trop calme. Premier prompt, I'm growing... Ok, allez, on essaye. Voilà, je me fais pousser une moustache. C'est Kenyu. Ouais, c'est ça, hein, c'est Kenyu. Vous faites pousser une moustache pour mieux vous fondre dans la cité futuriste. La personne avec la cape s'approche de vous. Donc s'approche beaucoup de moi, donc. More closely. Qu'est-ce que je fais? Je croise quelqu'un, hop, moustache. Logique, hein? Donc là, on a une moustache. Montre-lui ta moustache. Ok. Oh. You show him your moustache. Alors. Je monte ma moustache à la personne dans la cape qui fait un signe de la main comme pour dire bonjour. Je réponds. Il vous dit alors de le suivre et vous obéissez. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, maintenant, on le suit. Il m'a dit bonjour, on a répondu. On le suit. Apparemment, il n'est pas impressionné par la moustache. Hein. Je vous le dis tout de suite. Salut Maverick. J'ai déjà répondu à la question et non, je ne pense pas remplacer Dendu suite à son départ de Canard PC Hardware. Rébellion. Alors on propose, on le chatouille sous les aisselles, on le suit en remuant, en remuant notre moustache. Il dit rien sur la moustache, c'est une insulte. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'aime bien ça. On lui demande pourquoi il a pas de moustache. J'aime bien ça. J'ai même fait une faute de frappe. J'espère que l'IA va comprendre. Alors, il répond que son boss veut que tout le monde dans la ville
Attends, quoi? He tells you that his boss wants everyone in the city without a moustache. Ah, il répond que tous ceux qui en ville qui n'ont pas de moustache en fassent pousser une. Ça répond pas à la question, ça. Ça répond pas à la question. Du coup, pourquoi lui n'a pas de moustache? Qu'est-ce qu'on lui dit? Dis-lui qu'il est hors la loi. Ok. Non, pas. J'essaye pas de l'arrêter, je l'arrête. Ok. Donc on lui dit qu'il est hors la loi et on l'arrête. Il commence à sortir une arme des plis de sa robe. Vous le voyez tenir un flingue, un pistolet laser. Oh putain, il a une moustache maintenant. Il n'en avait pas. Le hors-la-loi à moustache s'approche de vous, pointant son flingue vers vous et faisant feu. Là maintenant, alors non seulement il a une moustache, mais en plus maintenant il me tire dessus. Le boss est l'un de nous, il a subi au stream. Ah ouais, c'est ça. Ok, ça, on a compliqué la situation là quand même. Hein, parce que là, on s'est trompé, il avait une moustache. Et maintenant, il me tire dessus. Avec son pistolet flingue laser. Ouais. J'aime bien Corvax, mais je préfère la suggestion de Longhost. J'arrête le laser avec ma moustache. Ok. Comme. Hop. Voilà, on arrête le laser avec la moustache. Hey, Hélène Ripley, merci pour le raid. Bienvenue à tout le monde. On a terminé la revue de presse du lundi. Donc, tous les lundis à 16h, on fait une revue de presse. Mais cette fois-ci, on parlait d'IA, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait de réseau neural, et on a décidé de jouer à AI Dungeon. Voilà, donc pour vous mettre à jour avec ce qu'on était en train de faire, on est un cyborg à moustache dans une ville, et on a essayé d'arrêter la personne qui s'est approchée de nous, parce qu'on est dans une ville où on a obligation légale d'avoir une moustache, et elle n'en avait pas. Voilà, elle en avait pas, donc on a essayé de l'arrêter, mais elle a commencé à nous tirer dessus. Donc là, on en est à un point où on dévie les lasers avec notre moustache, désormais. 3h16, c'est la fin. Bientôt la fin, Miles Davis. Ouais, là, on a terminé la revue de presse. On faisait les cons sur AI Dungeon, mais après, je rendrai l'antenne. Mais voilà, si vous voulez voir du AI Dungeon, vous pouvez rester un peu. Donc, je dévie les lasers avec ma moustache. Ça me répond, vous bougez rapidement votre tête de droite à gauche, bougeant votre moustache et interceptant les lasers, chacun touchant le sol autour de vous. Voilà, on est vraiment super fort, c'est vraiment une très belle moustache qu'on a, hein. C'est incroyable. Ça va Hélène, tu joues à quoi? Uraki, merci pour le deuxième mois d'abo, merci beaucoup pour le soutien. Oui, la moustache c'était un sub-goal, voilà. Ah, si vous voulez voir la moustache, voilà la moustache, profitez-en bien, après je la rase, hein. Je sais pas si je la rase ce soir ou plus tard dans la semaine, ce sera la surprise, mais après ça je la rase, donc profitez bien de la moustache, ça sera pas infini. La moustache ça exclut plein de gens. Ben c'est une cité, c'est du cyberpunk, hein, donc on est dans une cité où tu peux te faire poser des implants, donc j'imagine qu'il existe un implant moustache dans la ville, voilà. Elle est très bien cette moustache. La stachocratie, exactement, c'est une stachocratie. Du coup voilà, il me demande ce que je fais, voilà, on a dévié les lasers de son flingue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un implant moustache RGB, exactement.
pense que tu dois tirer avec ton pisto moustache pour lui faire, pour la lui faire pousser. Ok. Comment ça, comment on peut traduire pisto moustache en anglais? My moustache gun. Voilà, j'utilise mon pisto moustache. Mais c'est vrai qu'il avait déjà une moustache. Mais on va voir comment l'IA réagit. Le hors-la-loi est choqué à l'apparence soudaine de mon moustache gun. Dandu s'en va, ouais, on en a parlé, Damien Detch. Dandu quitte CPC, ouais. On en a parlé, mais bon, à part lui souhaiter la meilleure vie... Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'espère que CPC va retrouver rapidement quelqu'un pour reprendre le magazine, pour reprendre le hardware. Mais ça, je pense que ça ne sera pas un problème. Vraiment, je pense que ça ne sera pas un problème. Salut Christophe, merci d'être passé. En vrai, c'est insupportable, les poils sur la face. Écoute, Miles Davis. Je me laissais pousser avant la barbe de temps à autre par flemme de la raser. Et puis comme elle pousse pas vite, je pouvais me le permettre. Mais j'ai jamais rasé de sorte à avoir un pattern particulier ou à avoir une moustache ou quelque chose comme ça. Je comprenais pas forcément l'intérêt. Et je suis obligé de reconnaître que depuis que j'ai laissé la moustache, en vrai, je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas l'intérêt de la moustache. Il y a une esthétique, hein, mais j'ai pas une tête à moustache et j'ai pas une pilosité à moustache. Il faut se rendre à l'évidence. Hein. Mais bon. Après, il y a plein de gens à qui ça va bien. Enfin, je ne fais pas partie des Magnum et des Freddie Mercury de ce monde, malheureusement pour moi. Voilà, la moustache ne me donnera pas une esthétique particulièrement incroyable. Donc voilà, le hors-la-loi est choqué à l'apparence de mon moustache gun. Bon, on lui en remet un prompt et puis après on va aller. Faut que j'aille préparer à bouffer aussi, je commence à avoir faim. C'est parce que j'ai pas encore une moustache taillée au moustache gun, exactement. Ouais. Tu dois laisser pousser 6 mois pour avoir un truc à peine correct. Mais c'est ça, donc ouais, ça pousse pas vite, ça pousse vraiment pas assez vite chez moi, donc. De toute façon, il n'y a pas grand chose à en espérer en ce qui me concerne, très clairement. T'as la moustache d'Henri Cavill, mais le corps d'Henri Salvador. Persona, mais lequel, Tristus Guts? La musique, si tu demandes pour la musique, c'est la musique de Persona 4 Arena Ultimax. C'est le thème de Margaret. Ouais. Salut Jobim, merci d'être passé. De toute façon, on va pas tarder aussi. Bon voilà, on a torturé un peu AI Dungeon avec notre histoire de moustache. Hein. Il suffit. Ça m'embête de partir. Mais va-t'en toi. Ça m'embête de partir aussi vite parce que du coup, je viens de recevoir un raid, donc il faut accueillir comme il se doit. Est-ce que j'ai streamé du Ultimax? Non, mais je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça, effectivement. Je pourrais faire ça à l'occasion. Le problème, c'est que ben, y a pas grand monde qui y joue. Donc, si j'en stream, il y a de fortes chances que je me retrouve à y jouer tout seul. Ce serait pas drôle. Mais il faudrait que j'essaye d'en streamer. Il faudrait que quelqu'un d'autre ait le jeu et y joue avec moi. Comme ça, ça pourrait faire un stream où je suis pas tout seul à jouer contre le PC ou en training mode. Ça, ce serait pas marrant. Mais dans l'absolu, ouais, il faudrait que je stream du Ultimax. Une mise à jour sur Jojo All-Star. Alors le problème, Tristus Guts, moi je ferais bien un stream hein, pour la mise à jour de Jojo All-Star. D'ailleurs, il y a quoi dans la mise à jour de Jojo All-Star? Je vais aller voir sur Steam. Tonton Yo-Yo, merci pour les 4 abos offerts. Merci beaucoup pour le soutien. Rappelle que j'ai pas encore programmé le stream à Dibou, mais il y en aura un. On en fera un bientôt. Et que là, on a un sub-goal pour faire un speedrun carrément sur Adibou qui viendra évidemment après. Hein. On va tout faire en même temps. Mais est-ce qu'elle est annoncée, là, la mise à jour sur Jojo? Est-ce qu'il y a un...
Est-ce qu'il y a un patch note? Non, j'en vois pas. J'en vois pas dans Steam, en tout cas. Le problème, c'est que si on va voir Steam Charts... Hop. Si on va voir Steam Charts pour Jojo, on a combien de joueurs actuellement? Jojo's Bizarre Adventure... Oh, on a 500 joueurs actuellement. On a 500 joueurs actuellement, c'est moins pire que ce que je pensais, mais c'est pas la fête quoi. Sur la semaine, hein. Sur la semaine, on a un top à 670 joueurs. On n'est pas génial, hein. Mais bon, pourquoi pas. À essayer. Enfin voilà, dans tous les cas, on va pas tarder. Strive est à combien? Alors, on va faire. Il est à combien Strive en ce moment sur Steam? Je sais même pas, mais il doit être à 60 balles, non? Si tu prends le jeu et le. Ouais, il est à 40€ la version standard. Et le jeu plus le premier season pass, il est à 60€. Actuellement. C'est pas mal. Mais il est régulièrement en promo, hein. Ah, combien de joueurs? Il doit être à 4000. Attends. Retournons. Multidir Strive. Il doit être à 4000. Attends une seconde que je regarde. Ah, il a baissé un peu. Il a baissé un peu dernièrement. Il est à 2003, 2007 en pic de la semaine. Mais à 2700 joueurs, on en trouve toujours régulièrement. Sachant que le plus joué actuellement, ça doit se jouer entre Street Fighter V et Tekken. Ça doit être Street Fighter V. Si on reste dans les jeux de combat... Ah non, remarque, Street Fighter V, il n'a pas beaucoup plus de joueurs. Il en a même un poil moins. 2002. C'est Tekken alors le plus joué? Ah bah ouais, c'est toujours très largement Tekken 7. C'est toujours très très largement Tekken 7, hein, le jeu de combat le plus joué actuellement. Peut-être que Mortal Kombat 11 a plus de joueurs, cela étant. Laissez-moi vérifier. Peut-être que Mortal Kombat 11 a... Même pas. 4000 joueurs actuellement sur Mortal Kombat 11. 6000 actuellement sur Tekken. Tekken, c'est incroyable comment ça descend pas. Hein. Dragon Ball FighterZ, je suis même pas sûr qu'il y en ait autant. Je serais même surpris qu'il y en ait autant. On peut... J'ai mal écrit, c'est ça? Il faut séparer Dragon et Ball. Ouais, tu vois, on est sur les mêmes chiffres que Strive, quasiment 2200 joueurs actuellement. Et la moyenne sur 30 jours, elle est à 1005. Donc on est même sur un. Ouais, on est même sur une augmentation par rapport à d'habitude. Donc ouais. J'ai une stache mou du 20e siècle, genre Brigade du Tri. C'est un peu ça. Oh, KOF 15, il n'y a pas grand monde. KOF 15, il doit y avoir 200 ou 300 joueurs. KOF 15, il y a 500 joueurs, mais c'est pas c'est pareil que Jojo. Mais KOF 15, il a un autre problème. C'est que le matchmaking est toujours pas réparé, donc tu sais pas si tu vas croiser quelqu'un quand tu vas en ligne sur ce jeu. C'est triste parce que le jeu est bien en plus. Ouais. C'est vraiment triste parce que le jeu est bien. Mais bon. Bref, il faut que je vous fasse aussi le programme de la semaine avant qu'on se quitte. Le programme de la semaine, il n'est pas très très compliqué. C'est simplement que demain, normalement, alors ça, il faudra demander à Daz, mais normalement, demain, il y a disquette, normalement. J'ai pas encore été prévenu de est-ce que j'y suis ou pas, est-ce qu'on le fait ou pas, etc. Mais normalement, demain, il y a disquette. Donc surveillez les réseaux sachants. Pour savoir si demain on fait disquette ou pas, mais je crois que normalement c'est demain. Si c'est pas demain, ce sera mardi prochain, mais je crois que normalement c'est demain. À part ça, je sais pas encore si mercredi j'aurai le temps de faire un stream pour résumer les annonces de la semaine, notamment les B650. Les B650 et les GPU Intel dont les tests devraient pas tarder à sortir là
probablement demain, mais s'il y a des trucs intéressants, on fera un live exceptionnel mercredi pour voir ça en détail. Sinon, jeudi soir, comme d'habitude, on continue Alien Isolation à 22h. Ça sera peut-être le dernier épisode. On m'a dit la dernière fois qu'on n'était pas loin de la fin. On vérifiera ça jeudi soir, mais on sera peut-être à la fin jeudi soir. Ce sera peut-être le dernier épisode sur Alien Isolation. Donc, ce qu'on fera si on le termine, c'est qu'il y aura un vote pour déterminer le prochain jeu d'horreur qu'on fera ensemble le jeudi soir. Rattrapez ça si ça vous intéresse. Vous pourrez influencer un petit peu pour me faire jouer au jeu qui vous a fait peur à vous ou que vous osez pas faire et que vous voulez que quelqu'un le fasse en stream à votre place. Ben voilà, ça sera moi si jamais vous votez pour. Et sinon, ce week-end, on va avoir beaucoup de Street Fighter 6. Surveillez le planning. J'annoncerai ça au fur et à mesure, mais à mon avis, ça va être du stream complètement à l'arrache sur Street 6. Donc, de rien avoir un peu tout le week-end. On fera, bien sûr, vendredi après-midi, la revue de presse JV comme d'hab. Donc, Pepperoni n'est pas annulé pour cause de Street 6. Vous en faites pas. Samedi Bagarre, par contre, est un peu annulé pour cause de Street 6 parce que voilà, force majeure, hein. Ça reste de la bagarre. Mais voilà, dans tous les cas, il y aura plein de trucs. Surveillez le planning, point d'exclamation, agenda, si jamais vous voulez ne rien rater et l'ajouter à votre calendrier personnel pour être au courant. Ou sinon, point d'exclamation Discord, tous les streams sont annoncés sur Discord au moment où ils ont lieu. Donc vous ne raterez rien. Voilà. Dans tous les cas, on va faire un petit raid chez qui je vous envoie. Allez, on a le choix entre Daz et Intello, vous préférez qui ? Entre Daz qui fait du Hearthstone et Intello qui fait du Kingdom Hearts 3, vous préférez aller chez qui ? Red Bear vote pour Intello. Papa ou maman ? Ouais. On a un vote partout entre Daz et Intello. Le prochain sera décisif. Papy Poule dit Intello, eh bien on va chez Intello. Hop, allez, un petit tour chez Intello. Je clique sur le bouton du raid, messieurs, dames. Merci beaucoup d'avoir été là. Depuis, ça fait plus de 3 heures qu'on stream. Merci aux gens qui ont suivi tout le stream, toute l'histoire de ma vie que j'ai racontée au début et toute la revue de presse tech. C'était super cool. Merci aux gens qui ont follow. Merci aux gens qui ont sub. Merci aux gens qui ont offert des subs. Merci aux gens qui ont offert des bits également. Ça fait super plaisir. Vous prenez soin de vous. Oui, vous avez des emotes, vous profitez-en. Balancez des emotes. Vous bougez pas, on va chez Intello, vous lui dites bonjour de ma part, vous prenez soin de lui, vous êtes sympa avec lui. On se donne rendez-vous peut-être demain dans Disquette, je sais pas, suivez les réseaux. Peut-être mercredi pour un stream spécial pour résumer tout ce qui s'est passé cette semaine. Et sinon, dans tous les cas, jeudi soir, on termine la Isolation ensemble. Vous prenez soin de vous, merci à tout le monde d'avoir été là, vous bougez pas, on va chez Intello. Ciao, bonne soirée.